En fait, il y a 5 ans, j'ai joué à DC parce que je me suis dit, vas-y, mais j'ai lâché le jeu, j'ai pas aimé en fait. Ah Donc, ok, d'accord. je vais pas jouer à DC, je pense, en Arena. Non, je pense pas, non. Non, je pense pas. C'est très dur à jouer à DC en Arena. Ok, en Arena. Strike. On est dans le lobby de qui? Je ne sais pas. Mais tu devrais jouer un Garen, je pense, et tu joues méga tanky, je pense. Vas-y. Et si c'est. Il y a des bans ou pas? J'en suis là. Hein. Les bans, je vais m'en occuper. Ok. Et si c'est Yumi. ban, je. Mais Yumi, c'est nul en Arena, les gars, non? Tac, on est pas. Attends, je sais pas. Mais faut savoir jouer Yumi les gars, c'est particulier. Hein. Ok. On est dans quel lobby? Quel stream? Dans le lobby de Loch Ness Callen. Est-ce que j'ai quelqu'un en ami? Bah ouais, c'est le client de base du jeu. Demande un stream Discord pour les augmenter. Mais les gars, je ne suis pas non plus le monstre, hein, je connais pas tout. Donc bon. On va voir. C'est quoi, c'est lobby 1? Ah, T'es Ramus, dans le ça peut lobby être toi? très bien. Non, pas encore, j'attends. D'ailleurs, il faudrait que tu m'ajoutes mon pseudo, je te l'envoie en ici là. Vas-y, on fait ça. Hop, et tu m'ajoutes. En gros, dis-toi en arena, ce qui importe le plus, c'est le contrôle des plantes. Je sais pas si t'as vu les plantes, ce que ça fait en arena. En gros, sur certaines maps, il y a des plantes, je te les montrerai. Et en fait, ces plantes, quand tu les tapes, tu récupères tes CD, tu récupères de la vie, et on s'atomise un shield en plus. Donc en fait, ceux qui réussissent à taper les plantes avec un auto-hit, bah, du coup, tu récupères de la vie et tout, c'est trop fort, tu vois. Je pense qu'un bon pick, ça va être genre un Rammus, tu vois. Je pense que ça, c'est un bon truc, parce que tu vas tanker de fou, et tu vas pouvoir taunt les gens. Donc en fait, même si tu sais pas trop jouer au jeu, globalement, c'est pas un perso qui est dur à jouer. Et du coup, ça va être ok. Amumu, ouais, mais Amumu faut toucher et tout, je sais pas, tu vois, les gars, je sais pas. Rammus, je pense c'est un bon call. Rammus, c'est un bon call. Et moi, je sais pas ce qu'il va falloir que je joue, mais. Donc moi je passe tout le temps devant toi en tank, Toi, je en reste devant, gros, j'essaye de. on joue chill et on va jouer pour le contrôle des plantes. En gros, on va all-in sur les plantes. Moi, je prendrai les plantes et tu les prendras si tu peux, si t'es au corps à corps, mais c'est la priorité over n'importe quoi. Ok, et c'est Voilà. obvious de les repérer les plantes, genre je Ouais, sais pas en ouais, ouais. mode elles sont où. Ouais. Ouais. Je te montrerai où elles sont à chaque fois. Ok. Et j'aimerais bien une invite si je vais demander. Ok. Ouais, Galio est overcheat, mais il va être ban, je pense. T'en fais pas, hein, mon gars. Quoi qu'on fasse, on va se donner le maximum. Te prends pas la tête. Et au pire, c'est perdu. Et go next. Kallax, ça va être sympa. T'as joué un peu à Kallax, non? Ouais. Ah, c'est bien ça, c'est cool. Donc tu connais un peu les trucs. T'as pas un train opti, mais t'es chaud sur les meubles, ça va? Tu te débrouilles? Ça va le faire. Ah, meuf, ça va vraiment le faire. Ok, bah trop bien. Moi, je Non, fais le bah, train alors. Kenny reçoit. Il va recevoir là une invite, je pense, de quelqu'un, ça va le add. Donc je vais rejoindre avec Ok, lui. Charles m'a invité. Boum, voilà. Je crois que On je n'est suis pas dans avec le. Charles? Je suis pas dans le lobby de Charles. Je sais pas si je suis dans le lobby de Non, Charles. non, on est clairement pas avec le lobby Charles. Ok, d'accord. Oh my bad. Bon, J'ai je été vais aller invité faire par comme ça. Kallen, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Tu peux me Ok, rejoindre, je parfait. t'invite. Ok. Ok, Shishayu, Yannex, on peut gagner. C'est super low. Stargix, je sais pas ce qu'il a. Il est platine 2, donc c'est even. Et SDF sous crack. N'est pas ensemble là. Le Intervertir. master, ok. Ah, c'est Et bon. Ok. niveau 468, Melio? C'est une vanne? Ok. Émeraude.
Oh, eux, ils sont forts. Ça peut le faire aussi, je pense. Ok. Allez, c'est parti. C'est parti, mon gars, t'inquiète. T'inquiète, on va tout donner. On va tout donner, ça va être ok. Kallax, on va être des monstres. Ouais, je pense que Kallax, on va être des monstres. Ça va être ok. Le train, je vais te go-ted le train. Ça va être exceptionnel. Je fais confiance. C'est vrai? Merci, la goat, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Bah, peut-être que si. Je sais pas. Peut-être que je suis éliminé là, on sait pas. Ok. Allez, actuellement, ça va le faire. Electro Wave, j'ai confiance en toi. Je pense qu'avec un pic Rammus, on risque rien. Le perso de Rammus, tu le connais un peu ou pas? Ou faut que je te l'explique? On m'a vite fait expliquer avant. Attends. J'attends l'annonce machin. Je pense que ça va être banni Garen ou quoi? Garen, ouais, y a un monde où c'est banni. C'est un bon perso de débutant. Jolin ou pas là? Je suis à deux doigts. All-in, pourquoi? Pour là, t'as entendu l'annonce? Non, j'ai pas vu. C'est quoi? C'est quoi qui se passe? C'est tu peux empêcher le blocage de n'importe quel héros, champion, je sais pas comment on appelle. Ouais. Non, t'inquiète, fais pas ça. Ok. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Je crois en moi. Allez. On peut le faire mon Stargix, on peut le faire. On donne le mieux qu'on a, on fera pas dernier. Dis-toi ça, on fera pas dernier. Si tu peux avoir un Rammus, tu prends Rammus. Si tu peux avoir Garen, tu prends Garen. Quoi qu'il arrive, faut que tu me streames ton écran si c'est possible. Avec ton PC. Vas-y, je fais ça. En gros, pour Rammus, je vais t'expliquer quand même. Sur ces 4 sorts, le plus important, en gros, qu'il va falloir que tu spammes quasiment dès que tu l'as si tu es en combat, c'est le Z, le deuxième sort. Ce qui te permet d'avoir une boule à chaque fois, une boule autour de ton perso. À chaque fois que quelqu'un va te taper, il va prendre des dégâts. En gros, c'est une espèce de d'épine, tu vois, sur toi. Et tu tankes énormément. Quant à ça, t'es insupportable. Tu fais trop de... Genre, tu tankes trop, tu vois. Le troisième... Z, je mets le Z. Ouais, dès que t'as le Z en combat, tu mets le Z. C'est un truc qui est très fort. Ensuite, le E, c'est très très fort. Le troisième sort, c'est un taunt. C'est-à-dire qu'en gros, tu le mets sur un joueur, tu fais E, clique sur un joueur. Pendant 2 secondes, il est obligé de t'attaquer. Il ne peut pas lancer de sort. Il est obligé de t'attaquer toi et personne d'autre. Donc c'est très très fort. Il y a une très petite range, faut que tu sois au corps à corps. Okay. Okay. Et le A, c'est en gros, ton perso va se passer en mode Sonic. Il va tourner sur lui-même et il va aller de plus en plus vite. De plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite. Et si tu heurtes un champion, genre si tu le cours dessus et que tu le traverses, en fait, ça va. Le champion va être bump. Et il va prendre des dégâts. Donc c'est vachement bien, genre tu sais, quand tu vois qu'on va go, tu utilises ta boule de Rammus, tu rentres dans quelqu'un, ça va le bump, tu le taunt, tu mets ta boule, et tu vois, tu tankes, tu vois. Et moi, du coup, vu qu'il bouge pas le mec, je peux le go, tu vois. Je peux le go, je peux le démolir. Et en plus de bump, ça slow. Donc tu vois, c'est un perso qui est très tanky, qui a un bon utilitaire, tu vois. Mais alors, je peux combo le Z et le A? Non, la boule et le tourbillon là? Non, tu peux pas combo les deux. Ok. Tu peux pas combo les deux. Ok. Et oui, spam pas le Z, effectivement, si tu rappuies sur le Z, ça l'enlève. Donc en fait, tu le mets et après tu touches plus à ce sort. Okay. Voilà, c'est ça. Ensuite, est-ce que Big, tu peux m'envoyer un build pour Rammus là, dans le chat, s'il te plaît? Parce que je m'y connais pas trop. Et tu m'envoies le build et genre tu te chauffes à m'envoyer avant les rounds et tout ce que je suis censé lui dire, tu vois. Je te fais confiance, le Big, là-dessus. Parce que moi, j'avoue que niveau coaching, déjà, il faut que je me coach moi-même, donc... Moi je sais pas trop quoi pick, je sais pas si je prends mon Mundo, je sais pas si je joue un big brand pour carry ou si je prends même Z, tu vois, genre ou si je prends Ezreal no cap, tu vois. UGG. OK. Est-ce que tu arrives à lire ça ou pas? Tiens voilà, je t'envoie ça. Est-ce que ça tu arrives à le lire? J'ai mis ça. Est-ce que ça te parle un petit peu ce que tu vois, genre en mode tu vois les augmentes et tout, tu passes la souris, tu vois ce qui est fort sur toi? Ah, ouais, c'est un peu dur. Ok. Ouais. En gros, le Rammus Skill Order que tu vois, c'est l'ordre dans lequel tu dois prendre tes spells. Donc en fonction du niveau. Niveau 1, tu prends le Q, le A donc. Niveau 2, tu prends le W, le Z donc. Niveau 3, le E, etc. Tu suis ça. Voilà. Globalement, tu suis ça. Ouais, mais c'est où le... Ah, ok. Tu scrolles un peu. Tu vois le truc, Rammus Skill Order? Ouais, c'est bon, okay. Donc en fait, tu prends AZ2 au début.
Après, tu montes le Z en premier. Dès que le R, donc le quatrième sort, est disponible, tu le prends. Ouais, ok. Et une fois que tu as monté le Z à fond et qu'il est à 5 sur 5, bah du coup, tu montes le E et après, tu montes le Q. Et entre deux, tu prends Ok. juste le R dès que tu peux. Voilà. Globalement, c'est ça. Ok. Après, au niveau des objets, dès le début, quand on va apparaître, tu prends instantanément la corne, le Guardian's Horn. Ça coûte 500, c'est le premier truc que tu fais. Une fois l'augmente prix, Ok, tu récupères ça. Voilà. ok. Tu sais Ok. shop, ça va, tu sais le faire à peu près? Ouais, ça c'est bon, c'est bon. Ok, nickel. Au niveau des augmentes, essaie d'avoir les augmentes, tu vois, il y a plusieurs augmentes, t'as les prismatiques, les gold et les silver. Essaie d'avoir les top tiers, sinon je regarderai un petit peu ce que t'as et je vais essayer de t'aider là-dessus, ok? Ok. Ouais, tu gardes mon partage Je en garde même ton temps. partage ouvert. Ouais. On est d'accord, je peux pas prendre une. Je peux pas avoir ça là, à côté. Avoir quoi? Là, ce que tu m'as envoyé. Je pense que si. Je pense pas que ça dérange. Vas-y, je Demande mets. à un admin, mais je pense que c'est ok, tu vois. Ok. Moi, je sais pas ce que je joue encore. Même demander. Je sais pas si je joue un Big Olaf, par exemple, les gars. Ou Brand. Olaf, c'est peut-être un peu all-in, ça me fait peur. Ou je. Olaf, c'est fort, mais bon. Explique l'ult. Ah oui, ton ulti, ton R donc. Quand tu vas le lancer, ton perso va sauter dans les airs. Il va s'écraser au sol à l'endroit où tu as lancé ton ulti. Ça va créer une zone qui fait des dégâts. Ça crée une zone qui fait des dégâts au sol. Donc c'est bien, par exemple, tu vois, si on va jouer une plante, tu peux la mettre autour de la plante, tu vois. Ça les fait chier parce qu'ils vont pas rentrer dans ton ulti, tu vois. Ok. Et si tu le vises bien et qu'ils sont au centre, ça les bump. Ça, c'est pas mal, ça Attends, aussi. tu peux répéter parce que j'étais avec un ami, c'est bon, j'ai le droit de garder ça. Ok. Ton R, quand tu vas appuyer dessus, il va y avoir une zone. Quand tu vas la Avec mettre. qui avec Avec Rammus. Ok, Oh. Kramus. Ton R, tu vas avoir une zone. Quand tu vas cliquer, ton perso, il va sauter au milieu de cette zone. Et c'est parti. Ton perso, il va sauter au milieu de cette zone. Les persos qui sont au centre de cette zone vont être bump. Et ça pose une zone de dégâts au sol. Voilà. Donc, c'est pas mal, par exemple, si on va jouer une plante, tu vois. Tu la poses sur un joueur ou alors juste à côté de la plante, tu vois. Tranquille. Ok. Et ça fait que ça les gêne. Voilà, si t'arrives à retenir, je sais qu'il y a beaucoup d'infos, on va essayer de faire du mieux qu'on peut et on donne ce qu'on a, ok? Ouais. Je sais pas jouer Swain, les gars. Si me dites pas de jouer Swain, je ne sais pas jouer Swain. Je n'ai jamais joué Swain de ma vie. Ah oui, et pour la réanimation, je sais pas si t'as joué en arena. Faut aller dans un genre de cercle là. Ouais, voilà. En gros, quand je meurs, il y a un cercle au sol avec une petite lumière qui fait le tour du cercle. Cette lumière, c'est le cooldown avant lequel tu peux me raise. Moi, je te dirai quand est-ce que tu peux me raise ou quand est-ce que je peux te raise et tout. Mais en gros, une fois que cette lumière est partie, tu te mets dans la zone qui reste, ça me raise. Ok. Voilà. Bon, toi, tu me diras, j'imagine. Ouais. Ok. Mais moi, j'hésite à prendre Faut Mundo. rester Hein. combien de Mundo, temps? je pense c'est fort en vrai, les gars. Mundo Rammus, on est chiant, je pense. Faut des dégâts, mais Mundo ça fait mal, hein. Mundo ça fait mal, les gars. Hein. Zéro dégâts, vous êtes des fous, Mundo ça fait mal. Hein. Ramus. Attends, on va switch. Laisse-moi ta place, fais accepter. Dans ce cas, je vais me rendre. Peut-être jouer Brand. J'hésite à jouer Brand. Et Brand, le problème, c'est que s'il est open, ça va être chaud. Tout le monde va le prendre. Brand open, je crois. Ouais, Brand est open. Je prends Brand. Je prends Brand. Voilà, parfait. Prends Rammus, nickel, parfait. Ok, bon. Là, il y a des persos un peu chiants. Je vois du Swain, c'est chiant. Emerdinger, ça va être un peu chiant. En gros, là, Swain, à un moment, il va passer en mode, il va avoir une zone autour de lui, il va se transformer. Et une zone autour de lui, il faut sortir de cette zone. Si tu restes dedans,
Il va. En fait, plus on reste dedans, plus son ulti va durer longtemps. C'est son ulti. Et son J'ai de ulti, l'argent. il fait beaucoup de dégâts et il mange la vie des adversaires autour. Donc c'est super fort. C'est okay. super super fort. Putain, il y a un Z. Ok, bah du coup, je vais devoir zonir, hein, je pense, j'ai pas le choix. Hein. Ok, bon, on va donner ce qu'on peut. Putain, Nautilus, c'est une bonne idée. Hein. Nautilus, c'est une très bonne idée. Darius va nous gêner. Je vais regarder un brand build arena. Ok, donc là tu prends ton augmente. Ouais. Tac. Péri, tueur des géants, chaud bouillant. Féerie, je pense. Ok. La scène, my bad. Attendez, faut que je prenne un truc. Attendez, je vous mets ça. Boum. League of Legends, est-ce que c'est bon? Je sais pas si c'est ça. Non, c'est pas ça. Ouais. Est-ce que je prends un truc, les gars, là-dedans? Je pense ça, non? C'est conduit infernal, c'est bien, non? Conduit. Into tous les objets. Ok, good. On va jouer contre un Maokai et un Z. Bon, le Z, ça va être difficile à comprendre. Dis-toi qu'il faut que tu le grabes. Voilà, c'est Z qu'il faut que tu E sur lui. Dès que tu peux. Ok. Ok. Z c'est le plus petit hein. Z c'est lui là, regarde je te le ping. Parfait, il y a les plantes, tu vois ça c'est les plantes. Voilà, okay, on va ramasser ça, on va en haut il y en a une autre. On va en haut il y en a une okay. autre. Ils vont essayer d'y aller, ils vont y être. Voilà, grab-le, très bien, très très bien. Cours un peu, t'es bien, t'es bien. Je vais flash out de ça, on va prendre la plante en bas. La plante en haut. Ok, la plante en haut, je prends la plante en haut. Okay. Et on va jouer la plante en haut à gauche après. Derrière toi. Ah, j'ai cette merde. Trop chiant ça. Il va TP, je pense. Ok, tente tout ce que tu peux, tant qu'autant que tu peux. Tu peux aller là-bas, va la plante. Ah dommage, malheureusement je pense que tu es mort. Oh, dommage. C'est pas grave, t'as bien tenté, t'as fait ce que tu pouvais. Là c'était des gens qui jouaient bien, donc c'est pas grave, c'est normal qu'on soit mort, t'en fais pas. Et hésite pas à te mettre devant moi effectivement. Toi tu es quelqu'un qui tant que qui reçoit beaucoup plus, enfin qui reçoit beaucoup moins de dégâts que moi. Donc voilà, okay. T'es plutôt tranquille là-dessus. Là je suis les items qu'il y a sur le site, on est prends... d'accord. Ouais, suis les items qu'il y a sur le site, je suppose qu'il te propose des mercures. Des boss sandales de mercure. Acier, je sais pas c'est quoi. Coq en acier. Ouais, tu peux. En vrai, il y a quand même pas mal d'AD. Je dirais que c'est ok. Okay bon, c'est que non, prends Mercure. Fais annuler, prends Mercure en vrai, je pense. Annuler. Enlève, annule et prends Mercure. Ouais, prends Mercure. Sandales de Mercure, ok. Tu dois me coller au cul. Ouais, globalement, tu dois me protéger. C'est ton objectif dans la vie, quoi. Ok. Ok, donc là, j'ai spam mon Z. Parfait. Là, on joue contre Stratuke et Joey. Donc là, en gros, lui, il y a un gros tank et Stratuke joue un perso un peu plus carry, même si, bon, voilà, ça reste un tank. Attention à lui, voilà, lui, il va te faire des dégâts. Essaie d'écourter le combat et de te barrer, dommage. Tu peux prendre la plante, clique sur la plante là-bas, la plante rouge. Ah, la plante rouge. Ouais. Ah, ça va me... Ah, ok. Ok, tranquille. Ok, j'ai capté. Tranquille. La plante. On est bien. Viens avec moi, ici. Ouais, bien, on le tue. Allez, Nautilus maintenant, on met tout sur lui. Envoie tout ce que t'as. J'envoie, mais là. Viens prendre la plante. Ok, non, tu pourras pas. Ah. Oh la chance! Putain. Je pète le seum. Fais voir. Alors, là, toi. Appuie sur la flèche en bas là, reroll ça. Lycoplastron, prends le lycoplastron de gargouille. Voilà. Et moi je sais pas quoi prendre. Je pense qu'il faut que je reroll, non?
C'est pas mal 3 en vrai. Ou... Ouais. Non, non, t'achètes rien, tu prends tes sorts, voilà, comme le site te dit de prendre. Okay. Je vais prendre ça. Il y a un actif. Ok. On joue contre Garen Wukong. Je connais pas du tout le niveau en face. Il va falloir faire attention un peu à Wukong et tout, mais ça devrait être ok. Ok. Je suis mort. Tranquille, toi tu vas survivre. Tu survives. Cours. Prends la plante rouge. Dommage. Ok, cours. Tu peux revenir vers moi maintenant. Parfait. Là maintenant tu boules et tu vas vers moi. Tu utilises ta boule quand ils vont sur toi. Parfait, tu prends ça. Okay. Voilà, parfait. Ça passe. Bouge pas, survie. Ouais. Ok. Je dash ou pas? Tu peux y aller. Ah, ok. Ok. Ouais, alors, pardon, ton item, j'ai oublié de te le dire, putain. Ton item, quand t'appuies dessus, ça te fait un shield. Ça te fait un shield sur toi, tu l'appuies et tu peux rappuyer de temps à autre dessus. Donc t'as un bouton, normalement, en fonction de l'emplacement où tu l'as mis, c'est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Voilà, c'est écrit juste en bas à gauche de l'item, normalement. Ok. Ok. Ok, là on a de l'argent. Là, qu'est-ce que tu pourrais acheter? Regarde dans la liste d'items qui t'est proposée. Je vois que l'image, le problème. Attends. Tu pourrais acheter, regarde, tu vas dans le shop là, et tu te prends par exemple, j'en sais rien, un Heart Steel. Tu prends le cœur acier. Prends cœur acier. Ok. Je pense que je prends Ondourageuse là, non? Ondourageuse tous les jours, je pense. Ok. Donc toi, pareil, oublie pas ton objet. Quand tu commences à te faire taper, tu peux l'utiliser assez vite. Ok. Là, on est contre des gens très très forts. Donc on va perdre ce round, je pense, mais c'est pas dramatique. Ok. La plante à côté. Tape la plante. Non, c'est pas grave. Ok. Je pense pas que tu auras le temps de me reste. Là, j'ai rien compris. Ouais, t'inquiète, là on est contre quelqu'un de très très fort en face. En fait, à chaque fois, dis-toi, les gens vont me go dessus comme des débiles. Donc faut pas que t'hésites à essayer d'attraper un mec avec ton taunt, tu sais, genre tu mets ton E. Ok. Et tu tentes un truc à ce niveau-là. Ok. Donc, dès que ça passe, je mets mon E. Ouais, exactement. Z. Et vas-y, je garde le A. Je sais pas pour quand, mais je le garde. Est-ce que les gens nuls, on les a déjà passés là? Il y en a passé une équipe qui était pas très forte. Ouais. Ceux avec Garen Wukong, je pense qu'ils sont pas très forts. Okay. Vu comment ils ont joué, ils étaient pas très très forts, mais bon, ils m'ont go et bah, du coup, voilà, ils m'ont tué quoi. Faut pas trop que tu fuis toi, faut plutôt. C'est toi qui dois prendre les dégâts, pas moi en gros. Dis-toi que toi, t'es beaucoup plus à même de supporter les dégâts. Ok. Parfait. Prends le 3 toi. Nickel. Oh, lien spirituel. Ouais, lien spirituel, c'est excellent. Je pense que je vais roll. Hein. Je roll ça. Hein. Ou 3. Ah, je prends les âmes de dragon, vous pensez? Ouais. Je tente. Et j'ai pas eu les bonnes âmes. Okay. Oh, ça va, ça c'est bien ça, mais bon, c'est pas non plus ouf. Bof, j'aurais pas dû faire ça. Ok, ok, là c'est une game qu'on peut gagner, ok. Donc là il va falloir que t'attrapes Shisheyu. Donc voilà, le chien qui court là. Le chien qui court, voilà, tu le fais chier. La plante en prio. Voilà, on leur laisse pas. Voilà, on va le tuer lui très rapidement. Ok, essaie de le retourner dès que tu peux. J'ai pas. Oh fuck. Ok, il va rester son pote, il va tenter du moins. Il est mort. Voilà, un round de gagné. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très, très bien, ça. Tu vois, si tu restes devant moi et que c'est toi qui prends les dégâts, je tue. Ok. Pense à ton item aussi. Et tu vois la plante, dès qu'elle apparaît, boum, faut aller dessus. Tu vois, regarde sur la minimap, sur cette map, tu vois, je te ping là. Ici, il y en a une. Et en haut, il y en a une aussi. Tu les vois sur la minimap. Et voilà. Et quand elles sont plus là, ce sont des petits sabliers. Et je vais essayer de te call les plantes quand elles réapparaissent. Là, on est un peu dos au mur. Si on tient 2-3 rounds, on peut réussir à grind un petit peu. Ok.
Mais les plantes, on split jamais, on reste tout le temps ensemble. Les plantes, ouais, Quasiment. toi, faut que tu restes avec moi. Toi, faut que tu restes avec moi systématiquement. De toute façon, Ok. y a pas de débat. Là, on a de la thune. Tu peux probablement, si je Y a le plus de vends, cartes là? là pour l'instant, il va y en avoir, mais là, tu peux acheter un item normalement, si je dis pas de bêtises. Ouais, 3000. Je prends mon Rayleigh, je pense, hein. Et prends côte épineuse. Prends côte épineuse comme item. Tape côte épineuse, tu prends ça. Épineuse. Je pense que je prends Rayleigh, les gars, là, non? Rayleigh comme ça, je les fais chier. Non, on joue contre Udyr Lilia en plus, là il va falloir que je les ralentisse, trop important. Donc là, Udyr Lilia, ça va être un match que. Bah, il y a moyen qu'on sorte là-dessus, ok? Mais dis-toi, il faut que tu arrêtes. Absolument, faut que tu arrêtes Udyr, ok? Donc c'est Loch Ness. Faut absolument que c'est lui que t'attrapes. Le plus Ok, vite possible. j'attrape avec mon E, j'attrape Voilà, mon E. voilà, voilà. Faut vraiment l'empêcher de faire sa life. Attention à ça. Ok, on l'a pris tous les deux, on va se faire sleep. Je pense que je suis mort. Malheureusement. Prends la plante, la plante, la plante, la plante. Dommage, il y avait Elle la était plante en là. face de toi. Je pense qu'on est out. Nous sommes morts, je pense. Ouais, on est mort. Ah, quoique, non, oh, non, on est à 5 HP, on a 5 HP. J'ai spammé mon flash, il est jamais parti. Ok, on a 5 HP, on n'est pas encore out. Il n'y a personne qui va être out sur ce round, mais je pense qu'on est. Ah, si, il y a une équipe qui est out, donc on n'est pas dernier. C'est plutôt une bonne nouvelle en vrai. C'est plutôt une très bonne nouvelle. Je prends la move speed. Une très très bonne nouvelle, j'ai envie de te dire. Alors là, on va jouer contre Kaylon et Romain Jacques, Swain Mordekaiser. Là, il va falloir que tu attrapes le Mordekaiser le plus vite possible. Oh, le Swain, pardon, le Swain le plus vite possible. Tu lui fonces dessus, tu l'attrapes. C'est qui Swain? C'est Kaylon? C'est. Non, c'est l'autre. Ok. Et Swain, qu'est-ce que je c'est prends là Romain Jacques. en petite carte? Là, t'as combien de thunes? Ah, comme petite carte, pardon. Non, carte. Prends résistance magique. Résistance magique, ok. Et j'ai 1000, je n'achète rien. Non, on n'achète rien. On n'achète rien pour l'instant. Si, prends. Non, non, vas-y, attends. Hop, hop. Voilà. On va jouer ça. Ok, Romain Jacques. Ouais, tu vas sur Romain Jacques, tu lui fonces dessus. La boule fonce dessus. Vas-y, go, 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 go. Tu t'arrêtes pas. Le Q, le Q, le Q, là. Passable. Pas grave, pas grave. E-le, e-le, e-le. Mets-lui ton E, mets-lui ton E. C'est bon. Attention, il est sous ulti, faut que tu t'écartes maintenant. Ok. Merde. Il a plus son ulti, maintenant tu lui vas, tu lui vas dessus, tu lui vas dessus. Ok, faut que je tue Kaylon en premier. La plante, la plante, la plante, attention, la plante il va, il faut pas qu'il la prenne. Top, tape la plante, tape la plante. Info, priorité Ok. absolue. Nice. Bon. Ah, il est parti. Ouais, faut rester loin de lui, faut rester loin de lui, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire là. Ok. Bon là je peux rien Ah, faire. vas-y, 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 vas-y. Ah. Ah putain, ouais, je suis en mode. Essaie de t'écarter de lui, attends, peut-être il meurt là-dessus hein. La plante, la plante, la plante, la plante, important, important. Ça voulait pas. Faut qu'on sorte de ça, sinon il va nous tuer. On va jamais le tuer, je pense. Faut que tu le grabes au plus vite, au plus vite, au plus vite. Nice! En fait, faut que tu sois H24 au contact contre des gens comme ça. Sauf contre Swain, là c'était bien, c'était pas évident, on l'a eu. Ok, nice. Oh, ça peut être fort ça. Deux, hein. Deux, c'est exceptionnel. Toi, c'est quoi? Fais un reroll, fais un reroll. Prends un, je pense. Prends un. Voilà. Et toi, faut tout le temps que tu sois au contact. Ok. Tac. Et Z, voilà, là je suis contre, on est contre Z Maokai, comme tout à l'heure. Z, faut que tu lui fonces dessus. Faut que tu lui fonces dessus à Z, C'est ok? qui, c'est qui, c'est Z, qui, c'est c'est le qui, petit c'est qui? ninja, c'est le petit ninja. Là, tu boules, ah, tu lui fonces dessus. Ah, et tu lui fonces dessus. Tu t'arrêtes pas, tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes jamais, tu l'attrapes. Ah, il est parti le team. Ouais. Je suis mort pour l'instant, essaie de survivre, essaie de survivre. La plante, okay. Si tu peux. Ah, je la vois pas, mais. C'est pas grave, bon. Oui! Non, dommage. Dommage.
Je sais pas si on est dernier. On a encore envie. On est. Hein? Ah non. Ah si. C'est toi. Ah ouais, on est encore en vie. Mais il y en a plein qui sont morts là, non? Ok. C'est pas si mal, non? Je sais pas. Bah, c'est exceptionnel. Rassure-moi, s'il te plaît. Je suis en panique. Je pense que je prends ça, non? Deux. Moi, il faut que j'achète un truc, attends. Je sais pas. Ouais, prends un item. C'est quoi l'item? Oh, n'importe quoi. Ouais, je sais pas ce que j'ai pris. J'ai pris un truc random, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai cliqué sur le premier, je t'avoue. Je sais pas. J'ai pris random, c'est pas grave, on s'en fout. On est bien. Ok, on joue pas! On joue pas! On est top 5! On joue pas, on est bien! Attends. Ah, y'a aucune équipe qui peut être. Ah, si, y'a une équipe qui peut être out! Si l'équipe Gronk perd, on a gagné. Comment ça, on a gagné? On a gagné, on est top 4. On est top 4. Pour moi, on a gagné. Top 4, c'est gagné. Hein. Excuse-moi, mais on partait pour top 8 là. Oh mon dieu. Attends, mais ils vont gagner? Oh! Ils ont gagné. Let's go! Ok. Bon, top 5 en vrai, au pire. Le pire. Au pire du pire, c'est top 5. Là, on va jouer contre Garen Wukong. Ok, c'est la même team que tout à l'heure. Ils vont foncer dessus comme des débiles, ok? Ils vont foncer dessus comme des débiles. Ils ont pas un gramme de résistance magique. Donc, en gros, là, il faut que t'ailles sur Garen, le gros Garen. Tu vois à quoi il ressemble, Garen? Ouais, ouais, ça c'est bon. Ça, c'est tu lui sautes dessus, tu lui arraches la gueule, ok? Tu vas sur lui, tu mets ton E, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais prends une potion, prends une potion. Appuie sur P. Je prends quoi là? Prends potion de vie, je pense. Prends potion non, de vie, là, potion d'HP. En carte, pardon. Prends vitesse de déplacement, vitesse de déplacement. Vitesse de déplacement et je prends une potion, tu m'as dit les potions. Prends la potion verte HP. Voilà, tu te prends ça et ajoute tes sorts après. Genre tu pas grave, prends le R, rajoute tes sorts. Ok. R, E, okay. Voilà parfait, et ouais. Maintenant tu vas sur Garen, va sur Garen, t'attends okay. pas, okay, okay, t'attends okay, pas, t'attends okay, pas, s'il te plaît. Là à gauche, y'a danger. Ok. Ok. Je sais pas où il est, ok. Il est là. Parti. Ouais, grab-le. Je vais. Je suis le GOAT! Je suis le putain de GOAT! T'es une légende, mon gars! T'es une putain de légende! Je sais pas ce qu'on fait, mais on va le faire! Allez! Rabadon ou Liandry? J'achète au hasard, on en aura plus rien à faire, je sais pas. 3000, j'achète encore? J'achète de la vie? J'achète. Bon, ça. Toi, achète tu veux acheter un objet? J'ai dilette un truc, bon, je sais pas. Ouais, parfait. Vends ta corne, clique sur la corne, fais vendre. Ok. Voilà, et achète un objet, prends le truc bleu. Le cœur gelé. Cœur gelé. Je m'en fous, prends ça, cœur gelé. Là. Un item, n'importe, voilà, on s'en fout, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais là? Prends là, en gros, on a perdu, mais on s'en fout. En fait, on s'en fout. Kane. Va sur SDF sous crack, cherche SDF sous crack, tu le fonces dessus, tu le E. C'est pas lui SDF sous crack. Merde, j'ai fait de la D. C'est ma faute. J'ai très mal joué. Ouais, je pense que je suis mort, j'ai fait n'importe quoi, j'ai int la game, j'ai turbo int la game, j'ai pas fait gaffe, j'ai cliqué à côté. J'ai l'air V2, laisse tomber. Oh, clique sur le portail. Vite. Essaye. Oui. Va dans la zone, reste-moi. Prends la plante. J'ai la plante. Ah, c'est pas ça la plante, merde. Ah fuck. Ouais, j'ai turbo int. Mais hey, mec, on est top 3. On est top 3, sa mère. My bad, j'ai trop mal joué, j'ai pas fait exprès de cliquer sur le portail, on aurait pu les gagner en plus. Mec, top 3, c'est bien, hein. C'est excellent, je suis trop fier de toi, frérot, t'as tellement bien écouté, t'es une légende, frérot, ça me fait trop plaisir, je suis tellement content, je suis désolé si je t'ai mis la pression, je suis désolé s'il y a eu de la merde avant, je me l'assume tout seul, hein, mais t'inquiète, hein, c'était pour toi. C'est très très bien, et tu vois, Ramus, je pense que c'était un bon pick, parce que dès que t'arrivais à grab quelqu'un, tu sais, je pouvais quasiment le kill, tu vois. T'as super bien joué. Electro Wave Legend.
top 3, c'est légendaire, frérot. Je suis tellement content de toi. C'est incroyable. Et là, Kalax, du coup, t'as joué, tu sais faire les meubles, je vais faire un train et on va gagner la game, frérot. On est en vie. Après, on est d'accord, je peux pas faire le robot, impossible. À deux, il faut que tu joues avec ton clone pour le robot. Donc en gros, ce que tu vas faire, c'est les petits meubles. On aura les clones. Oui, t'auras les clones. Ok. Ah oui, à deux. Okay. Mais je pense que tu fais pas le robot, non? Tu spam les meubles simples, c'est mieux, non? Je vais spam le reste. Spam le reste, envoie ça. Putain, laisse-moi, je suis tellement content de toi, frérot, j'ai envie de te prendre dans mes bras, t'es où? Mais je vais venir après, t'inquiète pas. J'en ai rien à foutre du Covid, tu viens, tu me prends dans tes bras. Je mets même pas de gel hydroalcoolique. J'en ai rien à foutre. T'inquiète pas, dès qu'on peut se lever, j'arrive. Je sais où t'es, je crois. Bah, tu viens me voir et tu vas me faire un câlin, ASAP. Juste après. Amène-moi ton Covid, par pitié. Oh putain, en légende. Ok, là je pense qu'il faut aller sur Kalax, tu veux qu'on try? Vas-y, go. Allez, on reste. Vas-y, go. Faut peut-être pas alt F4 pour le score et tout. J'ai pris en photo au pire avec mon tel parce que j'arrivais pas à prendre de screen. J'ai pris top 3. Parce que ça vaut, mais. J'attends, je dois attendre, je pense. T'étais en live sur Twitch là? Pas du tout. Dommage. Sinon, je t'aurais demandé un mur de cœur là. Un énorme mur de cœur et un mur de queue également parce que tu la mérites, mon gars. Cette putain de queue, mec. Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai pété un plan. Excuse-moi. Oh putain. Je suis en roue libre. Là, c'est, je suis tellement content. Je suis tellement fier de toi, frérot. T'es trop une légende. Non, tu te rends pas compte. Il se rend pas compte de ce qu'il a fait. Tu te rends pas compte. Frérot, j'étais en panique sur le clavier. J'appuyais partout. Dès que tu me disais un E, un A, j'appuyais partout. Oh putain. Ok, on prend ce screen, on va sur Kalax instant. On réfléchit même pas. Hein. Si. Go. Tac. Je l'envoie dans résultat instant. Allez, on lance Kalax, ça Steam. Tu m'ajoutes, je t'envoie mon edit sur Steam et c'est parti. Vas-y, c'est parti. Tu m'envoies toi ton Steam? Ouais, je t'envoie mon Steam. Vas-y, parfait. Top 3, c'est légendaire, les gars. Mais c'est légendaire. C'est incroyable. Tu sais qu'on a passé des gens qui sont forts en plus, hein. Ça nous met bien. J'avais eu peur de mon call brand parce que vu que tu sais, tu étais pas hyper à l'aise avec le jeu, ça demandait vraiment que tu fasses attention à moi, tu vois. Mais du coup, tu t'es grave rien débrouillé, t'as été légendaire. Dès que t'as capté, t'as été trop fort. Allez, go. Je crois qu'il y a le truc pour restart là parce que j'ai pas direct dans mes barres d'amis. Attends, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, t'inquiète. Pour la moi-même. Ok. Fast learner, hein. C'est vrai que t'es un fast learner. Pourquoi t'as patriné cette putain de LAN? Tu sais que t'aurais été fort. Hein. Bah lol, j'ai pas envie quoi. Mais je comprends, mais l'arena c'est pas compliqué, c'est genre c'est un roguelike quoi. Ouais, c'est vrai, ça va. T'aurais pu, hein. Ouais. T'aurais pu au moins l'arena, tu vois. Parce que t'as été fort, hein, franchement. Je pense vraiment, tu te rends pas compte de ce que t'as fait, c'était vraiment bien. Désolé, j'étais spammé un petit peu, j'essaie de pas trop mettre de la pression, mais c'est vrai que je l'avais beaucoup donc fait, hein. J'ai grave extériorisé sur toi, je suis désolé, le ref. T'inquiète. T'es sur Kalax là? Ouais. Mais merde. J'ai pas reçu ta demande. Ah merde, attends, impossible d'envoyer. Hein? L'invitation. Troisième. Ah non, il a été légendaire. Envoyé, c'est bon. C'est bon, un débutant, mais il a pris Ramus, il a juste grab le bon gars et je l'ai one shot avec Bond. À chaque fois. C'était incroyable. Je lui ai dit de prendre côté pineuse, il a grab un Swain, côté pineuse, il avait plus de heal, c'était terminé. C'est vraiment carré, il a trop bien joué pour un ultra débutant. Ok. Bon, là, je crois qu'il faut. Ouais. Là, normalement, je t'ai ajouté. C'est quoi ton pseudo? Zilan Electrové, ok. Zilan Electrové, ouais. Okay. Je t'ai ajouté, c'est bon, parfait. On stag une game à deux, du coup, c'est ça? Ouais. Ok, vas-y, je t'invite si je peux. Je te vois pas. C'est bon, je te rejoins. Parfait. Bah, écoute, je branche ma manette et on essaie de se faire un score en rapide. Vas-y, on fait ça. Donc, tu fais train et moi je fais le train et je te rejoins après. Items. Ouais, focus les items. Envoie-moi de l'item en balle, ok? Attends, okay, je vais me remettre le plan du train, moi, comme ça je l'ai en tête. T'es très à l'aise train ou je t'envoie quand même des... Tu me dis de toute façon, je t'envoie les rails machin, tu me dis quand je dois spam les... Ouais, t'inquiète. Rails, en gros, au début, tu m'envoies tous les rails en bas. Ouais, et globalement, ouais. Je vais garder un perso en haut à droite pour pouvoir switch. C'est quoi la bouton de switch déjà? J'ai oublié. Ah, c'est R. Bah après, moi, je joue clavier souris, pardon. Ah, ok. Oh, je vais le trouver, t'inquiète. Je vais caler un perso en haut à gauche, je pense, et je vais m'envoyer les trucs en haut à gauche. Ok.
Ok, c'est triangle. Merci le god. Là, je t'envoie tout. Ouais, vas-y, parfait. Tu m'envoies ça en bas. Ouais. Ok, on fait ça. T'as fait un bon score tout à l'heure sur Kallax? Putain, on a fait n'importe quoi. Mais après, on était vraiment avec des débutants. Et c'est ce qui a fait passer Nico en loser bracket. Hein. Ah ouais? Genre, le format est terrible. Hein. Ouais, c'est terrible. Bah après, mais t'as vu les scores qu'il y avait? Moi, j'ai été choqué de ça. Hein. Ah, la scène, pardon. Attendez, je vous mets la scène. Excusez-moi. Je suis un mauvais streamer, les gars. Je fais pas gaffe. J'étais choqué des scores. Hein. Tu faisais 3000, c'était... Ok, cher. Ouais, c'est ça. Hein. Vas-y, je t'ai envoyé tout. Tu me dis quand tu veux et moi je vais commencer à lire. Vas-y, on voit tout ce que t'as. Balance. Box 1-1. Box 1-1. Ça c'est 1. Et c'est quoi ton pseudo Twitch? Tu stream de temps à autre ou pas? Non, du tout. Ok, d'accord. Ah, je sais pas, j'essaie de trouver des moyens pour te rendre l'appareil là, tu m'as régalé frérot. T'inquiète. Tu m'as tellement régalé, je suis obligé. Envoie-lui un PayPal au pire. Ah frérot, ça bug le vocal là. Ah les gars, j'entends pas. Vous l'entendez Electrowave ou pas? Je l'entends pas moi les gars. Si tu rentres dans le top 8, au pire on s'arrange, on split. Ah les gars, je vais devoir quitter la LAN. Ah my bad, je dois y aller là. Ah putain, fais chier. Ah c'est trop chiant quand ça bug comme ça Discord. Ça fait trop les couilles. Est-ce que c'est chiant le clone par contre? Oh mon dieu. Ouais, alors le problème c'est que... Ouais, vas-y, je vais faire ça comme ça, je m'en bats les cams. Allez, nique, hein. Oh, j'invente une trage là, nique sa mère. Ça m'a pété les couilles. On invente. Je suis l'inventeur, Kenny l'inventeur. Au pire... Ouais, en vrai, au pire, si je gagne genre... Si je fais les 40k parce que je suis premier, notre rôle mec, je te le dis ça avec la main sur le cœur, je te file genre 5 balles. Oh, ce mec, c'est très généreux de ta part. Et ça me fait très plaisir. Mais je savais que les streamers... Frérot, je fais un effort. Mais je savais, les streamers, c'est ça, tu vois, c'est la générosité avant tout. Ça me fait très plaisir. Ok, ça marche. Ah, parce que vraiment, à la base, genre, j'étais en fait, à la base, je pensais te donner genre 1000 balles, mais je m'étais dit, genre, t'es vraiment un mec simple et t'allais pas accepter ça, tu vois. Donc, c'est pour ça que je me permets de te donner un peu moins, tu vois. T'as pas bien raison. Quel enfer, les meubles en solo. Ouais, ça doit pas être facile. Après, ça va la table et tout, non? Enfin, la table, c'est easy, non? Ouais, ça va, mais c'est bien plus lent que... T'as la strat au début pour quand tu prends la table et tu vises un crayon plutôt que de prendre un crayon pour viser la table au tout début pour aller hyper vite? Attends, en gros, pour le premier crayon à poser, tu prends la table et tu mets un crayon tu mets un crayon par-dessus. En gros, tu prends la table dans les mains et tu spams un crayon au sol plutôt que de prendre un crayon et d'essayer d'avoir la table. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Au lieu d'avoir un crayon dans les mains, pour le premier crayon, tu prends la table dans les mains. Voilà. Mais de toute façon, ce que je fais, c'est que je prends un clone qui tire la table et l'autre qui fait. Ouais. Non, ouais, bah moi je trouve que c'est plus rapide de prendre la table dans les mains et de spammer comme un débile jusqu'à ce que ça rentre et par après tu spammes comme un débile pour tous les crayons. Genre je trouve ça tellement plus simple. Parce que tu peux mettre les crayons sans avoir la table en l'air? Ouais, de ouf. En fait, tu prends la table dans les mains, mais teste, hein. Tu vois, tu prends la table dans les mains et tu spammes comme un débile. Et en fait, les crayons ne peuvent pas se mettre dans des mauvais endroits, c'est impossible. Non, en fait, tu peux vraiment prendre la table dans les mains et spammer comme un idiot. Genre tu spammes comme un idiot, ça passe. Vas-y, bah quand ça respawn, j'essaye. En vrai, au pire, si tu veux, je t'achète League of Legends en guise de remerciement. C'est un bon coup, hein. C'est cher là en ce moment. Bah ouais, il y a une promo donc je me permets, tu vois. C'est genre 0 balles. C'est genre 0, ça te va. C'est. Franchement, c'est cool. Le pactole de 0€. Tu me dis un copo des rails. Bon, écoute, là, moi je me fais ma life, tout se passe. Hein. Ce train de con. Ce train se passe. Un, deux, trois. Kilo, laisse-moi sortir le train. J'ai pas fait de la merde, je vérifie que j'ai pas fait de la merde là parce que j'ai peur d'avoir cut un truc, non c'est bon. Tu peux spammer les virages vite fait? Ouais. Tac.
T'en as reçu chez toi ou quoi? Ouais, ouais, je les amène aussi. Ok, hop. Ah, merde! Je sais plus où j'en étais maintenant. Pas t'inquiète. Je suis pas sûr, je suis pas sûr là le la boîte. Je crois que j'en ai mis un trop loin de moi. On va vite fait voir. Ah non, c'est Pixel. Alors cette histoire de table. Écoute, on va faire ce train proprement, il n'y aura pas d'erreur sur le train. Et ouais, puis on va essayer de faire le max de meufs, franchement go pas se prendre la tête, tranquille. Est-ce que tu finis le... Tu penses oui. Finir le train avant... Oui oui, je le finis tout le temps avant. Ok, donc après on fait les meubles... Ouais ouais, je vais rusher les petits meubles en fait, en gros c'est ça je pense le plan. Dès que j'ai fini, attention. Je prends les tables, je rush tous les petits meubles qui existent et puis voilà. Au sol, tu m'as dit qu'on pouvait mettre des crayons? Ouais, en gros tu prends la table dans les mains et tu spams juste le bouton pour assembler au crayon au sol avec la table dans les mains. Tu vas voir, le premier va rentrer easy, après tu prends les crayons et tu spams comme un débile. Crayon. Ok, les crayons au sol, ok. Voilà. Ok. Ok, okay, je faisais l'inverse. Juste pour le premier c'est vraiment plus rapide, après pour le reste je suis pas sûr. Mais pour le tout premier c'est sûr c'est plus rapide. Ah mais ça fonctionne, bon. Ok, parfait. Pour le reste, c'est un peu plus long. Oh non, gros courage encore. Il va chouiner. Croco qui chouine, as usual. On peut plus. Je le bosse ce train les gars. Il est bossé ce train j'ai l'impression. Il est où le pistolet de colde quoi? Elle est là. Si t'as besoin que je te jette des jouets à certains endroits tu me dis hein. Oh non, non t'inquiète c'est bon. Ouais. Bon après en vrai je ramènerai tout dans une salle à chaque fois, dès que je commence un truc ça va être mieux parce que là je perds un temps fou. Tu vois c'est bien qu'on fasse cette petite game de chauffe. Ouais ouais. Tac, ok ouais, elle est là. Ouais je vais tout ramener, ça sera plus simple. Ah je t'emmerde peut-être un peu là, désolé. Salut Alpha, ça va bien? Alpha casse la légende. Ça m'a carrément fait remonter frérot de jouer avec toi dans le classement. T'es une légende frérot, je sais pas, j'ai pas les mots. On partait pas de ça. Attends, et moi je suis combien? Ça t'a fait remonter 100%. Je sais pas où je suis. Il est où le électro? Moi je me vois pas. J'imagine que je suis dans la première salve. Ouais, surprise environ. Ouais, les rails maintenant c'est en haut, j'ai bientôt fini la dernière pièce donc Ok. Attends, c'est du 2v2 le Kallax? Quoi?
Ce train est bientôt fini, mon chef. C'est parfait. Voilà. Ok, maintenant il me reste plus qu'à finir ça. C'est quoi ça? Ok. 0, 2. Voilà, j'ai fini le train, c'est bon. 0, 1. Ah, j'ai un peu d'avance, c'est cool. C'est quoi les meubles qui sont prêts en ce moment là? 2, 0, 1, 1, 0, 1. Est-ce que t'as, tu fais la boîte à jouer? Ouais. Ok, 0, je te laisse la faire. 0, 1 et 0, 0, 0. Je vais tenter un robot en solo. 2, 2, 4. Je suis à la table en attendant. Ok, toutes les pièces de robot en haut à gauche que tu trouves, s'il te plaît. Ok, on fait ça. Fais la table en même temps. Vas-y, je vais de l'autre côté, moi perso. Vas-y. Ça, ça a l'air de pas, j'ai la tête. Ouais, ok. 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 Faut qu'on crée, il m'a dit. Okay. C'était incroyable. J'espère que ça va bien se passer maintenant, quoi. On va voir. On verra. Les gens sont forts, le problème. C'est très fort. Hein. Ouais. Mais t'es très fort, t'es très bon, t'inquiète. T'es 45ème apparemment. C'est propre. Je prends. Ouais, j'attends, mais je sais pas contre qui je joue par contre. Y'a pas de gens contre qui on joue. Ah, ok, c'est les scores au global. Ok, d'accord, ok, très bien. Ok, bon, bah on va refaire cette game. C'était très bien. Tu peux nous mettre les sponsors un petit peu plus bas, ça cache le score. Ouais, bien sûr. Fuck les sponsors. C'est bon. Pardon, non, pas fuck les sponsors. Vive la Zilane, pardon. J'adore Omen. Ok. T'as 35 pixels, ouais, je crois qu'ils me les ont rendus les pixels. Il me semble qu'ils me les ont rendus. Ouais, 35, c'est ça. Check les enchères au cas où Kens. Oh, on peut échanger les pixels. Elle est où? C'est dans l'espace joueurs Dylan, il y a les échanges qui sont open. Ah ouais, échange. J'ai de l'argent. Rejoins-moi au pire, Rayou. Ouais, ouais. C'est bon. Où est-ce qu'on a les clones? C'est nous en double. Pas de si.
J'ai de l'argent. T'as exactement 1000 points dans le classement global. Je suis combien, vous m'avez dit? Je suis top 11, non, vous m'avez dit? Je sais plus. Ok. Ok. Ouais. Ouais, il faut qu'on aille dans l'écran d'après, Kevin. Les quoi? L'écran d'après, faut qu'on aille déjà dans l'écran d'après, celui où on doit mettre Ready. Je crois celui encore après. Ah ouais, okay. Ouais, celui où on met... Moi je mets... ouais, on met... Attends. Encore seul... Ouais, non, là c'est bon. Là, mais je l'ai comme ouais, ça, ouais, tu mets prêt. Ouais, là c'est parfait. Parfait. J'hésite à acheter ça. Eh, hey, je le mets, hein, Nick. Bon, c'est peut-être un peu cher, moi. Après, en soi, je vais être out, hein. Est-ce qu'on est à quelque part à 17 directement? Arsenal est 17. Ok, 17, Kiwi plus 8. Ok, vous avez pas une pixel. Pixie 19. Ok, 19 chez Pixie. Arsenal 20. Kiwi 20. Kiwi 21. Pixie 22. Est-ce que c'est toujours là? 22 pour Pixie. Est-ce que j'ai quelqu'un en dessous? 22. Toral 23. Ah, force à eux, hein. C'est cher là. Hein. Voilà, là. Pixie 24. Ça va les 15 secondes, ça te... Oui, oui, non, ça fait rien, le train met 45 secondes à crash. Donc Osef. Ok, merci peut-être. Je sais pas combien t'es, je sais pas comment t'as sur toi. Quelle impuissance. Donc Pixie qui est à... Donc Toran qui est à 25 actuellement. Pixie qui vérifie pour Yana dans sa dosas. Actuellement, sur 25, on attend après la juge est vendue puisqu'elle vérifie son nombre de... son nombre de 2007. Donc on est carré sur 60 plans. Et c'est vrai que il va falloir monter des chiffres. On n'a pas assez. Ok, Toran 25, une fois, 25, deux fois, 25, trois fois, adjugé, Toran, viens chercher ta carte. 25 pixels, une grosse enchère. Nico qui est sorti du loser, hein. C'est une dinguerie. Qui ça? Nico. Ouais, ouais, normal. Hein. Là, il n'y a plus de loser bracket, je crois, c'est fini là, non? Ouais, ouais, mais là, il est éliminé Def, quoi, c'est ce que je veux dire. Ah, il est éliminé Def de la LOL? Ouais, ouais, son néon il est éteint. Ce que je viens de voir. Mais non. C'est terrible. On joue chill, tu fais tes strats, on essaie de claquer un 3000 points. Je pense que ça se fait. Et si on fait 3000 points, on est bien. Ok. On essaie de s'allumer un petit peu, on essaie d'être rapide, voilà, sur les trucs, mais ce que tu faisais c'était bien. Ouais, en plus rapide, t'inquiète, ça va le faire. Ouais, il peut encore être en loser, il est pas forcément éliminé. En gros, être en néon off, ça veut dire que t'es peut-être dans le loser, mais c'est pas dire forcément que... Ça veut juste dire que t'es plus dans le main event, quoi. Ah, ok, je pensais que c'était... Ah, tu m'as fait peur, tu m'as fait peur. Okay. Ouais, en plus c'était Céleste, non, forcément il est encore bon. Je pense. J'espère. Pas si. Non, y'a pas Rocket League cette année. Moi j'ai toujours pas compris c'était pour quel assaut par contre, hein. Cette année. Bon, on verra. Hein. Je demanderai à Zera après. Pas sûr de l'info. Ah, c'est pour Cdiscount, c'est l'association Cdiscount.
C'est l'as d'assaut. C'est exactement ça. Allez, je suis un peu stressé là, j'avoue. Faut pas s'y être dessus, c'est maintenant. Hein? Bah ouais, ouais, mais faut quand même pas se chier dessus. C'est tout, c'est juste ça. Moi bon, on m'a dit il y avait plus de losers, mais il y a encore un loser là. Oh. Non mais c'est peut-être des infos de chat. Oh, je t'avoue que là... Oh. Oh, et puis à ça après. Il y aura deux tops. Le premier top ne concernera que l'équipe de Torad et donc Arpentos. Et au deuxième top, vous pourrez tous vous lancer dans le jeu. Je crois que tout le monde est prêt, mesdames et messieurs. Je rappelle que vous lancez quand même tous la partie en même temps. Oui, oui, on attend juste 15 secondes. Tous la partie en même temps. Ouais, qui ose. Il y a que Torad et Arpentos qui jouent. Ok, c'est parti pour Torad et Arpentos. C'est tout le monde en 3, 2, 1. Lancez tous vos games, il y a que Arcotors et Toran qui lancent leur partie. Pour tous les autres, vous attendez, tous les autres, vous attendez. Ce sera bientôt, ce sera dans 5, 4... Ouvre-moi des rails direct. Okay. 2, attends, attends. Oh. Fais rien, attends un peu. Okay, vas-y, vas-y. Réflexe. Ouais, t'inquiète, pas de problème. T'as rien fait, de toute façon t'as arrêté, donc c'est ok. Ouais, puis j'ai réattendu après. Shit. Je t'envoie des trucs. Hein. Vas-y, je pense que c'est bon, je vais commencer par les objets. Vas-y, tu peux envoyer, hein, t'inquiète. Oh, t'aurais pu commencer direct, hein, t'inquiète. Hein. C'est gentil. En vrai, ça va m'aider, ça va m'accélérer en vrai. C'est une bonne idée. En plus j'ai des clones hein, donc t'inquiète. Allez. Ok, boum 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 boum. Ça se passe? Ça va, juste pour le tier 3 là, je sais pas où il est. 0, 0, 1. Putain, il est où le tier 3? C'est bon? Ah, je sais pas où il est, merde. C'est bon, c'est bon. Hein. Ça c'est quoi? Ok, c'est bon. Normalement. C'est parfait. Nickel. Table. Je ramène tout ça en haut à... Ouais non, je vais décaler. Je vais là. Alors voyons voir, où est-ce que ça va cut? Ça va cut ici. Vérifie qu'il n'y a pas de cut, ok c'est bon. Ok, ça cut pas. Allez, hop. Hop.
Ok, on continue. Boum boum boum. Ouais, elle est pas tombée. Pixel ça. Hop, ensuite on redescend. Tableau. Oh merde. Oh, j'ai fait de la D. Oh là là. T'as la clé? Attends, j'ai bien fait de la D là. Ah, j'ai une. Ok, non, c'est pas grave, t'inquiète, on n'a pas perdu. Mais bon. C'est juste. On va perdre des points quoi. My bad. Ouais, c'est pas optimal, t'inquiète, je crois que. Non, je pense pas que je ferai une erreur éliminatoire, mais. Ouais, je dis ça. Jamais, hein. Bon, une jinx quoi. Ah, c'est dommage en vrai. On va perdre quelques puntos par ma faute, sorry. NPMP. On va faire ça. Bon, j'ai complètement foiré mon opti, mais Osef. On est vivant, c'est tout ce qui compte. Oh, ça va être dur là. Il va falloir réfléchir à un plan. Non, attention, il va aller dans la pièce des outils en haut à gauche, le train là. Espérons qu'il ne te gêne pas. T'inquiète. Je modifie, t'inquiète. Gardez-le là. Est-ce que j'ai pas fermé là-bas? Faut que je vérifie si j'ai pas oublié de fermer. Qui va rentrer dans cette pièce, je vérifie que j'ai rien oublié. Il peut passer. Ouais. Ça. Je vérifie juste pour pas de choke. Ok, c'est bon. Ça a pris un petit quelques secondes, mais ça vaut le coup, je pense, de vérifier. C'est jamais. Ne faisons pas le hint. J'aurai besoin de plein de trucs comme ça. Bien si t'as besoin de trucs. Hein. Ouais, t'inquiète. Je prépare juste mes virages pour pas de choke. Hop. Et on s'en met un ensuite. Ici. Pardon. Ensuite. On s'en met un là. Et pour terminer. Un crayon. Oh non, il est où ce putain de crayon? Ouais, si tu vois un crayon, tu me dis, mais je t'avoue que... Un crayon, je regarde. Ouais, ah, c'est bon. C'est bon, tu l'as. Ouais. Ah, il était de la même couleur que les rails, donc ça baise. Hein. Le train est un peu plus lent en duo, j'ai l'impression. Ok, tant mieux. Donc c'est plutôt cool. Un pistolet, là. Utiliser là le pistolet. Je l'ai fini ou pas? Non, je l'ai pas fini. J'ai bien save en vrai là. Hein.
l'opti. Bien joué. Donc c'est assez cool. Putain. Pistolet. Ok. Mais comme dire, si tu trouves un pistolet. Un pistolet à colle? Ouais. Il est 100% en dessous d'un truc. Ouais, bah là, il y a un peu les trains, c'est les rails de train si tu veux. Ouais, bon, moi je passe à. Ah bah non, je peux pas. Putain, il est où? Non, le goat. Je le cherche avec toi. Parce que ça te bloque. C'est pas bien. Je sais pas où il est. Oh non, là c'est l'enfer ça. Et je vais balayer là-dedans. J'ai vu la visseuse. Ok. Ah c'est bon, je l'ai. Ok, okay. Nice, GG. Let's go. Est-ce que je m'envoie... Ah oh, ouais, il y a tout ça là. Ouah, sa mère. Attends, le train, je sais pas s'il a tous les rails qui sont bons. Est-ce qu'il passe en légende là? Faut que je vérifie, je me fais pas confiance. T'inquiète. On va faire ça. Ok, il a un peu accéléré là, j'ai mis un petit peu de temps à faire ma merde. Ah désolé, les pièces de... T'es gâte. Je me décale, hein. Ça va être chiant là. On va faire... Hop, ça fait tac... Non. Pardon. On va faire ça au pire, c'est pas grave, ça fera un peu moins de cases, on s'en bat les couilles. Attends, mais là c'est pas mal ça. Non, oui, on va. Paf, ça passe, je vérifie encore parce que je suis le dog. Bien joué, frérot. Bientôt fini le train. Là il me faut que des virages, je vais envoyer ça en boule. Ok, on va faire. Il se part à mon père des cases, mais Osef, je finis. Voilà, c'est bon, c'est fini, je t'aide. Ok, je fais la table. Okay. Table crayon, vas-y. Je m'en occupe. En haut à droite, envoie tout à droite, tout ce que tu croises. Vas-y. Ok. J'ai la grande planche là. Ouais, nickel, parfait. Je peux commencer. Tu fais un solo en légende ou... Ouais, t'inquiète, je la détruis. Okay. Je l'ai fait comme un barbare. Hein. Pistolet léger. Hein. Il me manque un. Ouais, pistolet, il est en haut à droite, tu m'as dit? Ouais, c'est ça. Cherche le dernier crayon, je sais pas où il est. Vas-y, chaîne. Donc, dernier crayon. Je le cherche, je le trouve. Ah, je l'ai, c'est bon. Ok, parfait. Nickel, je vais pouvoir terminer ça, aller le terminer dans 2 secondes. Là. Okay. Reviens, ma gueule. Ok, good. La lampe. Tu fais rien en attendant là? Bah, j'ai rien d'autre à faire. Hein? Y'a que un plan. Ah, tu fais pas le robot, ok. Ah, ouais, robot aussi je peux, mais c'est chaud. Ok. Vas-y, puzzle, on se rush, ça se part avant. Fait tout sur les puzzles, les conneries étoile, comme ça. Étoile. C'est une étoile? Ok. Je vais vérifier parce que je suis nul, moi.
Ok, je vais chercher les pièces de puzzle, j'essaie de te mettre ça. On a les 4 là. Ouais, il manque le plateau, non? Plateau, ouais. J'ai. En haut à droite, j'amène. Ok. C'est bon. Okay. Alors, l'étoile, je connais pas le puzzle, putain. Faut essayer de le rush. C'est foncer en haut, foncer en haut. Éclair en bas Ouais, foncer en haut. Donc, ça va être en bas. Tac. Ah non, GF. Ah non, non, on est bon. Vas-y, on essaie de terminer ça avant qu'il parte. Vas-y, il est où le dernier truc? Celui-là? Ah non, c'est bon, je l'ai. Tiens, vas-y, essaie de le mettre. Je bouge pas. Bon. Il est passé. Ok, bon, on n'a pas fait beaucoup, mais Ok, c'est pas grave. 2200, bon, c'est l'eau. Bon. Si ça peut te rassurer, en face de moi, ça fait 899. Ça reste ok. A 2, c'est pas mal, on peut faire mieux je pense, mais ça reste ok. Je vois des 1004, je vois des 2004, je vois un 2004. En vrai, les paires de gens, ça a l'air d'être lourd. Non mais c'est ok, je pense on est au-dessus du milieu de tableau, c'est fine. Kalen 3300, ouais normal, mais c'est Loch Ness et Kalen aussi les gars. C'est deux mecs qui ont Omega Tryhard qui sont ensemble, logique en vrai. Ouais, je peux tanker un peu, mais bon. Ok, bah écoute, mon cher Electrowave, c'était un plaisir de jouer avec toi. Voilà, je suis trop content. League of Legends, je suis turbo fier de toi. Alors, c'est incroyable ce que tu nous as fait. C'est gentil, c'est gentil. C'est de la folie. Et c'était vraiment bien, on a fait un top 3, c'est légendaire. C'était incroyable. C'est vrai que ça sortait un peu de nulle part celui-là. Ouais, de ouf. De ouf. Vas-y, et ça fait plaisir. J'essaie de passer après je te laisse focus comme ça. Avec plaisir. Vas-y, dès qu'on peut, j'arrive. Vas-y, je te laisse parler à ton chat, hein, à plus. Vas-y, à toutes le frérot. À plus. Ah les gars, je suis tellement content. En vrai, je suis content. Bon, on a été nul sur Kalax, mais je suis pas très fort sur Kalax, moi. Et je pense qu'il savait jouer, heureusement. Même s'il est pas très rapide, il savait jouer. C'est vraiment un bon, tu vois. C'est vraiment, vraiment un bon. Franchement, top 3 avec un mec qui a à peine ouvert le jeu. C'est pas qu'il a à peine ouvert le jeu. C'est pire que ça, tu vois. Mais il a été trop gentil. Slash, il a bien écouté. J'ai essayé de pas trop lui mettre la pression, mais c'est pas facile. Je pense que ça va être ok. Et tu peux screen ça. Je pense qu'Alex, on est pas dans le top, mais Osef, on est bien, tu vois. On est bien. Pas fait les robots, dommage. Ouais, il a pas fait un seul robot, en fait, il faisait que les petits jouets. Et il les faisait pas super rapidement. Mais c'est pas grave, il en a fait, tu vois. Non, en fait, il a rajouté 300 points, en plus de ce que j'avais. Ce qui est low, mais c'est ok. Enfin, surtout qu'en vrai, les robots sont simples, en solo, quand t'as un clone. En vrai, tu peux porter les pièces et tout, genre c'est vraiment facile. Ah ouais? Tu go loser là, tu penses? Il a fait combien, Croco? Il a démoli la game ou pas? Et 1300, Croco, ouais, c'est bien. Allez go. J'ai trop faim les gars. J'ai trop faim. Y'a pas de pause manger, c'est un cauchemar. Après t'as full pixel. Ouais ça me met bien, c'est vrai. Par contre je suis flou là. Je peux être clair moi. Ah non. Toujours pas. Non normalement je suis ok. Bon je suis un peu flou, c'est pas grave. On vit avec notre temps les gars. On vit avec notre temps. Putain j'ai le nez rouge l'équipe. J'ai le nez rouge, regardez ça. Putain mais la lumière elle est horrible là. Ça me rend pas du tout honneur, on dirait que je suis un poivreau là. Vous savez quand il la pose, j'en ai aucune idée. J'ai pas la moindre idée. Kenny t'es éliminé? Toujours pas, non je crois pas. On dirait que je suis en colère. Je jure. Hommage à Coluche. Au Seven. Bien sûr. Qu'est-ce qui s'est passé, Moment? Je t'ai entendu être triste. Ah, et du coup, ça s'est crash.
Oh non. Et c'était à la fin, fin, fin. Oh. Ouais, ouais, je vois. Merde. Ouais. Je capte. Là, on passe en top 32, ouais, je crois. Ouais, là, après, on passe en top 16. Merci d'être gentil avec les gens, même si t'es en full tryhard pour viser le top 8. Non, mais les pauvres, en fait, ils sont pas tous dans le même mindset que moi, donc c'est un peu difficile. Et tu sais, le mec, il pop en vocal, et le premier truc que je dis, c'est « Oh, je vais changer de mate !» Tu sais, genre, enfin, c'est horrible. Le pauvre, tu vois, je me mets à sa place. Et genre, ça doit être horrible. Ah, c'est le top 48, là, ok. Ça me fait une montagne de pixels, mais j'en ai rien fait pour l'instant. Y'a pas les 16 du loser qui remontent? Non, pas tout de suite. Je sais pas, peut-être. On sait rien. Peut-être tu pourras acheter une place top 8. Ouais, je sais pas. Hein. J'ai des pixels, mais je m'en sers pas pour l'instant. J'ai un peu peur de partir sans avoir dépensé mes pixels, les gars. Je vais être honnête. J'en ai 36 actuellement. On va voir, mais j'ai peur là. Ça commence à devenir difficile. Hein. S'il y a du trials et tout, c'est ok. Mais Slope Crasher, ça peut être un cauchemar. Voilà, next to you, surtout si t'es à la porte du loser bracket. Ouais, c'est clair. Je suis top 21 là. On est pas bien. Team top 21 Kallax, ok. Ouais, je crois pas que ce soit fou. Hein. Team top 21, c'est l'eau. Hein. C'est l'eau de baiser. La légende, mon gars. Ah putain, incroyable ce que tu nous as proposé. Regardez qui arrive là. La légende Electro Wave. Putain, mec, tu m'as mis trop bien sur, sur LoL. Bah Kallax, on a fait ce qu'on a pu, hein. On a fait ce qu'on a pu, mais ça m'a fait plaisir de jouer avec toi en vrai. Je suis content qu'on ait quand même réussi à sortir de ça et je suis désolé si je t'ai mis la pression de fou. Parce que en fait, je me rends compte. Non mais nous, on est dans, t'sais, dans une bulle de tryharder où on vit un truc et t'sais, tu pop en vocal et je suis en mode, je pense que je vais changer de mate. T'sais, genre, c'est horrible pour toi, t'sais. Ouais, ouais. Bah en tout cas, ça... Bah c'est très gentil. Je vois. En tout cas, t'as été une légende. T'as été une légende de bout en bout. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir de. Regarde-moi ça là. Oui, c'est vrai, viens me faire un câlin, mon frérot. Bravo. Bravo, le ref. Légende. Vas-y, à plus, mon gars. Il est trop gentil, ce mec. Ça m'a fait trop plaisir. En plus, il était trop mignon. Bravo à lui. Bravo à lui pour être gentil plus mignon. Félicitations. Vous vous ressemblez trop. C'est moi. C'est moi qui traîne pas la Zilane. On est les mêmes. Moi si je traînais pas la Zilane. C'est mon frère. Bon, je vais aux toilettes en rapide, je reviens vite fait.
skin shows me where you've been. Ever since I knew I've been over you. It's in the way that you're looking at me. Your mouth and your eyes tell a different story. It's in the way that you're holding me. You can't fool me. I'm all over you. All over you. All over you. You can't fool me. I'm all over you. You can't fool me, baby. Ok, re. C'est Microworks là, apparemment. Ouais, là c'est Microworks. Ouais, je crois. Bah, je vois les gens, ils sont tous sur Microworks. Et il vient de le dire hein, d'ailleurs. Allez, faut de la chance, Microworks, faut de la chance. Pardon. Désolé frérot. Pardon, je suis... Non, j'en ai pas rien à foutre. Désolé, je suis un peu stressé parce que là, ça va être trop dur, tu vois. Merci Alvortan pour les 10 subs, merci beaucoup champion, c'est gentil. Garde tes pixels pour le jour 3, mais ouais, mais je vais me faire sortir là je pense. Là en gros maintenant il n'y a plus de loser bracket, c'est fini. Là en gros il y a le top 32, là en gros c'est pour un top 16, le top 16 du loser bracket rejoint le top 16 ici, top 32, après c'est top 16 puis top 8 et c'est fini. Ha
C'est pas en team hein, je crois, la phase 4. Parce qu'en fait là moi je pense que je vais dépenser mes pixels, mais je sais pas s'il y aurait une méca intéressante avec mes 40 pixels. Parce que là les gros joueurs ils ont utilisé leurs pixels, je peux peut-être clutch là-dessus. Hein. Prochain part en repêchage. Je vois qu'ils sont assez nombreux en plus, donc si je prends ceci, normalement, voilà. Mesdames et messieurs, nous allons avoir sur vos écrans la liste des personnes qui partent. Eh bien, en repêchage. Mesdames et messieurs, les gens qui partent en repêchage sur cet écran tout de suite. Iron Broad. Happy New Year. Arthur. Artsniff. J'ai de l'argent. Asuna Sanchi. Ben Best. Carbone. Cap TP. Charles. Cruella Deka. Dalil. Dalen. Electroway, Étoile, Évangile, Fury, Gep, Jacques Darius, Joey Lai, Julga, Qatar, Kinder Pinguis, Lady Sunday, Moment, Nemed, Nirage, Romain Jacques, Rikiev, Riwu, Vico, Yannex. Et mesdames et messieurs, c'est terminé. Voilà quelques noms qui partent en loser bracket. Je rappelle que tous les noms que vous venez de voir ne sont pas des gens qui sont éliminés du tournoi. Non, ce sont des gens qui ont fait des contre-perfs dans les derniers jeux, ce qui les a amenés à être trop en retard en termes de points et qui les a amenés eh bien, dans ce loser bracket. Parce que on pourrait même se dire que bah, c'est, ça se décide sur les deux jeux qu'on a vus juste avant, mais en fait non, c'est quand même le total sur tous les points au fur et à mesure. Donc là, les gens qui partent en loser bracket, c'est les gens qui ont fait eh bien, pour l'instant le moins bon parcours sur toutes les épreuves qui ont été jouées. L'étoile est tombée. Vendredi soir, tous les points comptent. Donc vous dites, Moment n'aura pas joué à StarCraft, peut-être y jouera-t-il. Peut-être y jouera-t-il. J'ai envie d'acheter Leaf seconde 1. Je vous rappelle que toutes les personnes que vous venez de voir là, Loch Ness, rouge, j'ai envie d'acheter Loch Ness seconde 1. Remonter le loser bracket et se retrouver en finale pour demain, pour le top 8. D'accord ? Donc ne vous en faites pas, enfin ne vous en faites pas. Ils sont au bord de l'élimination, c'est vrai, tous ces gens-là, mais ils ne sont pas éliminés. Ils ne sont pas éliminés. Vous savez qu'avant, à la Zilane, il n'y avait même pas de tournoi de la deuxième chance. Il n'y avait pas de loser bracket. Avant, quand vous perdiez, c'était directement finito. C'était ciao. Alors que maintenant, franchement, en plus, on a le droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. On peut contre-perfier. Dès que j'ai l'annonce des duos, j'y vais instant. Trois jeux et se retrouver quand même en loser bracket. Franchement, quelle magnanimité. Quelle magnanimité. C'est incroyable. Donc là, on est, il me semble, sur le top 32, mesdames et messieurs. Et top 48, my bad. Top 48, excusez-moi, on m'a fait le petit. Je vais rappel. Même pas le dire à Loch Ness, je et pense. Nous allons accueillir la prochaine personne qui va commenter. Je vais aller devant la table, les gars. Je vais garder mon téléphone ouvert et je vais dès que j'ai le duo, j'achète instantanément Loch Ness. S'il vous plaît, faites pas passer le mot. Je vous en supplie, l'équipe. Ça me baiserait Malan. Je vous le dis, ça me baiserait trop Malan si vous le dites. Salut, ça va? Je vous en supplie. Je reviens. Alors, Wreckfest, le retour. Dame, dis-moi tout. Là, c'était la dernière fois que des gens étaient envoyés en repêchage. Aïe. Puisque là, on passe au tournoi du repêchage. Ok. Donc là, on va jouer pour des... Il y a un enjeu. Là, on joue pour des éliminations. Bah, il y a un enjeu. Il y a toujours un enjeu, bien sûr. Mais on part pour de l'élimination totale. Ok. Donc, voilà, il va y avoir notamment du Wreckfest. Puisque tu es ici. Oui, et, effectivement. Et le superviseur ne fait pas d'annonce pour le repêchage. Il avait déjà annoncé qu'il n'y en aurait pas, effectivement. Donc tant pis. Mais voilà. Donc, ça va se mettre sur la gueule sur Wreckfest. Avec grand plaisir, évidemment. Et c'est alors quel format ça arrive. Je ne veux pas te dire de conneries. Donc, t'inquiète ça pas. Ça arrive soon. Je ne veux pas te dire de bêtises. Parce que là, on est dans le tournoi repêchage. Donc, en plus, un autre domaine. Et. Deuxième fois qu'on va voir du Wreckfest aujourd'hui. Ouais. De la tôle concassée, de la subtilité de gameplay. Sachant qu'actuellement,
dans le tournoi de repêchage, là, ils sont en train de faire des games de Microworks. Okay. Donc, on attend que ces games de Microworks se terminent. Elles vont terminer bientôt. Et ensuite, ils vont être propulsés au-dessus pour arriver dans le lobby Wreckfest. J'ai l'impression qu'il y a une émulsion là, dans la foule. Ah là. Bon ouais, ouais, ça papote. Ça... Bon, il y en a, ils sont clairement à l'heure de l'apéro, bien sûr. Mais il y en a qui sont en train de parlementer. Il y en a qui tryhardent. Et c'est, oui, ça se voit qu'il y a des anges. Ah ouais. Donc, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah effectivement, ça commence à être un petit peu tendu. Là, il y en a pas mal qui vont partir. Hein. Tous les gens que tu vois avec le néon allumé, c'est le top 32. Top 32 de la Zilan. Y a une ligne là-bas à gauche où il y a beaucoup de néons allumés. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a une ligne complète où on a perdu qu'une personne. Salut Kalen, ça va? Regardez, alors je sais pas si on pourra la voir, mais effectivement, c'est la ligne Kalen, Wingo, Kiwi, Fraisefire, Charles, Lulux, Keoli, Splinter. C'est vraiment une ligne. Sachant laquelle, que devant, il y a Stray, Leaf, Tac, Saccord, Pixie. Oui, c'est vrai qu'il y a une sorte de conclave de PGM. Voilà, c'est cette zone-là. Vous voyez cette zone avec Kalen, Wingo. Ils sont quasiment tous allumés encore. Ah ouais. Donc Kalen, Wingo, Kiwi, Fraisefire. Juste à côté, on a Charles. Juste à côté, on a Lulux. Après, on a Botekzad qui a son néon éteint. Et juste à côté, on a Keolis. Et Splinter, Keolis et Splinter qui sont juste à côté avec le néon allumé. Mais c'est vrai que c'est rigolo de voir qu'on a on a vraiment une ligne complète. Il y a des zones, hein, des zones qui s'éteignent plus que d'autres. C'est ce que j'allais dire. À contrario, là-bas, il y a toute une zone où je crois qu'il y a 30 personnes. Tout le monde est éteint, en fait. Hein. Donc, il y en a même qui sont en train de ramasser leur PC. Tout comme il y en a qui vont ramasser leur pare-choc après. Il y en a effectivement qui commencent à ranger un petit peu, parce qu'il y en a qui reviendront pas forcément, il y en a qui partent aujourd'hui, il y en a qui reviennent demain. Alors je précise que d'ailleurs, tous les gens qui sont assis à leur place là, ils auront la possibilité d'être en... C'est leur place de spectateur pour demain. En gros, la fosse, elle reste, et les joueurs deviennent spectateurs demain automatiquement. Donc voilà. Donc à tout moment, demain, pendant les finales, il y a des mecs qui se font une LAN, qui se font un raid WoW là, dans la fosse. Carrément. Okay, pendant que ça... Alors, je ne sais pas s'ils auront encore le net, l'électricité et tout. Ça serait un manque de respect le plus total et absolu envers cette institution qui est devenue la ZLAN. Ils ont payé leur place. Ils ont payé leur place. S'ils veulent continuer de jouer, ils peuvent continuer de jouer. Il n'y a pas de problème. Alors effectivement, vous m'avez demandé où on en est où des Samuel d'or et tout. Ah oui. Eh bien, je les ai. Ils sont arrivés, mesdames et messieurs. Regardez, j'ai avec moi, c'est pas les Samuel d'or, hein, on les appelle les Samuel. Hein. Donc j'ai des petits badges, j'en ai un certain nombre. En réalité, j'en ai 200, pour être tout à fait honnête. Mais je vais les donner à Samuel. Cette blague va beaucoup trop loin. Non, mais j'en ai plein. Ils pullulent, j'ai un sac complet. Donc tu les files à qui? Alors, le plan, c'est de les donner aux deux personnes qui ont été éliminées en dessous de Samuel Etienne dans le classement général. Ah, dans le classement général. Je crois qu'il y en a deux. Il faudra que je récupère leur nom. Donc, du coup. Mais je pense que je leur donnerai à la pause de tout à l'heure. Il va t'en rester 198. Il m'en restera en effet 198. Ah, d'accord. Mais j'ai dit à Samuel que je lui donnerai le sac et qu'il s'en servirait comme bon lui semble. Voilà, je suis sûr qu'il trouvera des occasions rêvées pour les donner à des gens. Tu peux faire du pixel art dans la rue, là, tu sais, comme les mosaïques. Ah oui, avec des Samuel. Que avec des têtes de Samuel. Oh putain, l'angoisse. Donc voilà. Ou alors, les gens disaient, tu peux leur en donner 100 chacun, puisqu'ils sont deux. Ah ouais. Non. T'imagines. Je laisserai. Alors, t'as pas gagné la Zilan, mais tu repars avec un sac de 100 badges. Je laisserai à Samuel, évidemment, le choix de distribuer les autres pins, évidemment. Alors, bon, dans tous les cas, donc là, on attend qu'une game de Microworks se termine dans le repêchage. Elle est en train de se terminer là, quasiment. On n'a pas la POV, ça, du coup, de Microworks là. On peut la voir, mais je me dis, est-ce qu'on arrive en plein milieu d'une game Microworks? Ce serait un peu bizarre. Je sais pas, c'est Alan, fais ce que tu veux. Hein. Non, mais en plus, on doit être sur une fin de game. Faudrait que j'explique le jeu, c'est pas... On verra, je ne sais pas. Je suis en train de regarder, puisque pour le format, évidemment... pour le format de Wreckfest. De Wreckfest, ouais. On va jouer en... Donc pas en équipe cette fois. Ah, c'est solo, chacun pour soi. On sera en FFA. Ok. Donc 12 joueurs par lobby. Ok. 12 joueurs par lobby. Donc par piste, ouais. Donc par piste. On joue sur 3 maps. Donc Crash Canyon, Deathloop et Recknado encore. D'accord. 7 tours, 5 tours, 7 tours. Et en gros, c'est le cumul de tes positions dans la game qui donne ton classement. Par exemple, si tu fais premier, troisième, premier, ça te donne des points. Oui, c'est la moyenne et tout. Puis des points. Pas de points de dégâts.
On est d'accord. Non, pas de points de dégâts. C'est vraiment que la place. Ça, c'était à la base que, quand il y avait de la Demolition Race, mais qui a été retirée. Donc, ce sera des. En gros, c'est. On joue la course. On joue la course à 12. Ouais. Donc, ça va probablement jouer la Boomer, je suppose, hein, qui est la voiture la plus rapide, mais aussi la plus fragile. En Banger Race, bien sûr. Banger Race, théoriquement, il ne devrait pas y avoir de. Alors. Est-ce qu'il y en a, tu penses, qui savent qu'ils sont un peu mal barrés et qui du coup vont se dire « bon, de toute façon, je ne serai pas top 3 ou quoi ». Donc peut-être qu'ils vont plutôt s'amuser à défoncer des pare-chocs et des ailes de voiture. Bah, peut-être, mais je pense, personnellement, en tout cas, c'est ce que je ferais, prendre plutôt une voiture légère, une voiture rapide. C'est vrai que la Boomer peut être un bon choix. Après, la Hammerhead est très bien, c'est ce fameux break Volvo, mais qui prend beaucoup plus de place. Donc potentiellement, si t'as quelqu'un qui arrive un peu sur le côté, c'est plus facile de te faucher. Mais d'un autre côté, une voiture plus stable. Donc à voir. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle est bien partout. Parce qu'après, les deux autres voitures, donc c'est la Rocket et la Rammer qui sont autorisées. Mm-hmm. C'est vrai qu'elles ont des stats quand même un peu moins intéressantes, quoi. C'est vrai. Bah, tu vois, j'avais toutes les stats là sous les yeux. Regarde-moi ça, c'est incroyable. Ah ouais. Bah ouais. Alors, les stats, c'est différent à ce point. Ouais, quand même. Je me rends pas trop compte. Alors, sachant que t'as des voitures. Je parle dans celles qu'on va pouvoir voir là. Ouais, bien sûr. Parce qu'après, je sais qu'il y a les bus et tout, les grosses machines. Ah oui, non, c'est ça. Il y avait même apparemment, il y a eu en DLC il y a longtemps une moissonneuse-batteuse. Voilà. Ok. Et c'est vrai que j'aurais beaucoup aimé voir ça lors de la Zilane. Effectivement. Il y avait le canapé aussi. Un canapé avec des roues et tout. Ouais, je l'ai vu ça. Je crois que j'ai même joué avec. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que vous auriez pu mettre ça à la Zilane. Ça aurait été marrant. Alors, c'était pas un reproche, bien sûr. En tout cas, la Boomer, effectivement, est vraiment plus rapide. Après, il aurait fallu que les gens débloquent les véhicules. Il faudrait qu'ils fassent le tuto. Le problème, c'est que. En fait, quand tu fais une règle où ça implique que les gens lancent les jeux avant l'événement. Bah en fait c'est très dangereux en termes de tournoi. Un peu de sérieux. C'est du vécu. C'est du vécu, dame. C'est que trop bien, j'ai regardé les gens s'entraîner à Trial. Je pourrais imposer tout ce que tu veux, mais t'as des gens qui vont arriver et qui vont dire mais comment ça le canapé, comment ça le bus, comment ça mon bus. Donc, effectivement, hein, je pense que là, ça va principalement être de la Boomer, un peu d'Hammerhead, et puis voilà quoi. Après, si t'es pas à l'aise du tout avec le jeu, bon, c'est vrai que la Rocket, pourquoi pas, mais la Rammer, j'ai envie de dire comme son nom l'indique, quoi. Qu'est-ce qu'elle est lente, quoi. Et puis après, en termes de résistance, non, elle est middle. C'est juste qu'elle a une très mauvaise accélération, quoi. Sachant qu'il y a 12 personnes sur des pistes, c'est pas tant que ça, 12, hein, surtout s'ils jouent pas trop agressif. C'est 12, mais FFA, donc il faut vraiment éviter tout le monde, quoi. Parce que tout à l'heure, c'était 10, enfin 5v5, mais t'avais 4 personnes à peu près dans ton équipe. Donc, en fait, je pense que sur Crash Canyon, où il y a le double sens, je pense pas que les gens vont trop s'amuser à se défoncer. Tu vas pas sacrifier ta course. Mais par contre, tu vois, sur le central de Recknado, par exemple, à tout moment... Ça passe, ça crache. À tout moment, t'es top 1, top 2, top 3, t'as quelqu'un qui te rentre dedans, c'est la fin. Clairement. Donc ouais, je pense que c'est là que ceux qui ont bossé les trajectoires, ça va peut-être se voir un petit peu. Et j'ai très très hâte de voir. On n'a pas les noms encore des participants. Non, ça va arriver. En fait, c'est parce qu'on ne peut pas les avoir parce qu'il y a encore une game en cours, comme je disais, Microworks. Et donc, il faut que cette game se termine pour éliminer des gens, pour avoir le classement, qui éliminera des gens en fonction de d'autres jeux, etc. Donc, ça va prendre un peu de temps. C'est vrai qu'on a repris un peu tôt, mais comme il y a deux tournois qui avancent en parallèle et que maintenant ils se rejoignent, il faut attendre les deux tournois. Et donc, c'est aussi ça, l'organisation des LAN parties, mesdames et messieurs. LAN parties. Voilà. Des party people. À quelle heure la pause miam? Bon, j'en sais rien. Moi, vous allez manger quand vous voulez. Hein. Vous êtes spectateur. Hein. Vous prenez votre. Moi, j'en reviens. Là, il y en avait déjà pas mal. Prenez votre téléphone, vous le mettez devant vous, puis vous mangez. Hein. Comme ça, voilà. Hein. C'est un peu ce qui se passe. Vous mangez quand vous voulez. Hein. Ça se profile comme ça. Attendez pas que je vous dise d'aller manger pour manger. Hein. Faites ce que vous voulez, les amis. Ah oui, Zera, dis-nous quoi faire. Manger. Quand devons-nous nous alimenter? Mangez maintenant. Que devons-nous boire? Oh, il y en a qui jouent à Céleste là. Regarde. Hop. Ça va. Ouais, non, mais c'est vrai. En tout cas, je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde sur les lives aujourd'hui. C'est vrai que, comme je disais, on dépasse rarement les 100 000 viewers avant le dernier jour. Et beaucoup de nouvelles personnes aussi qui découvrent la Zilane cette année, ça me fait plaisir. Je le vois parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui râlent. Et comme chaque année, il y a des gens qui râlent, bah là, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent. Parce que souvent, les gens qui râlent, c'est les gens qui découvrent. Moi, il y a un truc. Parce que les gens qui ont déjà vu une Zilane, ils râlent pas, ils savent. Tu vois, ils disent, oui, c'est comme d'hab. Peut-être un truc encore plus méta qui m'intéresse. Qui, dans le chat, découvre le concept des LAN? C'est-à-dire plein de gens au même endroit qui jouent ensemble. Est-ce qu'il y en a peut-être parmi vous qui découvrent ça pour la première fois? En tout cas, qui regardent une LAN sur Twitch, c'est possible, parce que toutes les LAN ne font pas 100 000 viewers, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est vrai qu'il doit y en avoir. Il y a des grosses LAN qui ne sont pas du tout streamées et tout.
Oui, tout à fait. Ouais, bah, la plupart pas. Même. Hein. En vrai, la plupart même. Hein, ah, mais, Je découvre, mais je ne râle pas, quelqu'un. Impossible. Bon, bah, c'est pas... impossible. Impossible. Ah, si, il y en a quelques-uns, tu vois, qui découvrent le concept, effectivement. Ouais. Mais en fait, le jeu en ligne est tellement populaire maintenant, il y a quand même de moins en moins d'événements physiques comme ça. Donc, puis, ce qu'il y a maintenant, tout n'est pas forcément streamé. Ils streament souvent les finales qui sont dans des amphithéâtres, ouais. Des trucs comme ça. Mmh, oui, c'est vrai, pas forcément les phases entières que... de qualification. Parce que là, c'est vrai qu'on a 3 jours qui qualifient les gens. Ils doivent revenir chaque jour, ça se relance, etc. Moi, j'aurais aimé que le concept de Zilan existe il y a 20 ans à l'époque de The Gathering. J'aurais aimé aussi. Hein. Où il y avait 8000 postes en fin fond de la Norvège. Ah, là, en train de... bah, c'est ce qui est devenu la DreamHack. La DreamHack, oui, tout à fait. Avec 11 000 PC à Jönköping. Donc avec des mecs qui ramènent des tours PC comme As Custom des avec des aquariums dedans. Là. Ils amènent les étagères, ils les fixent sur les bureaux. Ah, ouais. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. T'avais assisté au concours de tuning PC, de refroidissement à l'azote liquide ? J'en ai déjà vu, mais j'ai pas assisté, mais c'est vrai qu'il y a des gars qui font des trucs de fou. Hein. À la Gabon Assemblée, à une époque, c'était il y a 15 ans, hein, il y avait des concours de refroidissement azote liquide. Ouais, d'overclocking. Les mecs arrivaient donc avec leurs bonbonnes sur des trépieds. Pleines de fumée, là. Avec, ouais, c'est ça, ouais. Ils prenaient des gants ou pas. C'est vrai que c'est marrant, ça. Avec, non, mais c'est un délire, quoi. Et c'est très niche. Et donc, ils ont leur thermomètre qu'ils mettent sur le CPU et tout, machin. Et je fais, oh putain, moins 180 degrés de moins, oh, trop bien. et à gagner, t'avais gagné. Et c'est déjà pas mal. Ouais, non, mais c'est vrai que moi j'adorais voir ça, c'était trop bien. Mais c'est vrai que c'est très niche, c'est un truc de passionné qui se rassemble dans les événements. Je comme sais pas ça. Si ça existe encore. Est-ce qu'on a la game de MicroWorks en POV? On me dit qu'on peut peut-être la voir, cette game de MicroWorks. Bon, c'est vrai que si on l'attend. Bah, qu'est-ce qu'il fait à l'autre trublion? Ah, mais ça, c'est nos Michel. C'est nos Michel, bien sûr. Il fait du curling. Ah, c'est du pixeling. Pixeling, bien sûr. Pixeling. Peut-être le jeu mystère, encore un leak. Encore un leak du jeu mystère, hélas, décidément. Curling. Tous ces leaks de jeu mystère. Ah, la game de MicroWorks. Tu sais que je n'ai jamais vu une game de MicroWorks. Je ne sais pas du tout comment ça marche. C'est absolument incompréhensible. Ah bah du coup ça donne envie. Ok, alors je vais essayer de t'expliquer. Ok. Mais il faut que tu m'écoutes bien et que tu regardes pas trop ce qui se passe. Ah. Donc écoute, je t'explique. D'accord. MicroWorks, c'est un jeu dans lequel tu fais plein de mini-jeux. Est-ce que tu connais WarioWare? Bien sûr, bien sûr. Et bah c'est WarioWare en 3D. Ah ouais, ok. Donc, en gros, regarde, là tu vois, t'as un personnage blanc et là on va te donner une consigne. D'accord. Ça va s'afficher au milieu de ton écran. Par exemple, là, ne tombe pas. Ah et là, hop, Wax vient de tomber. Là, du coup, c'est mais sauf que tu vois, à la manière d'un WarioWare, il faut réagir très vite. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est que. Et là, ils viennent de repartir dans le lobby, on va donner une nouvelle consigne. Et c'est un autre mini-jeu, par exemple, et ainsi de suite. Sélectionne la réponse. Donc là, il y a une question en anglais qui, normalement, devait être désactivée si le host avait bien géré sa game, mais vas-y, c'est pas grave. Ah, mais il y a des questions de culture générale et tout. Oui, il y a des questions de culture générale. Normalement, elles sont désactivées. Et bah, j'ai tout compris. Il me semblait dans les règles. Et bah, j'ai tout compris. Voilà, évite le train fantôme. Hop, il a pas réussi à éviter le train fantôme. Ah oui, d'accord. Et en fait, c'est que des jeux qui s'enchaînent comme ça. Donc il y a 25 jeux, comme tu vois en haut à gauche, tour 15 sur 25. Et au bout des 25 jeux, il y a un boss qui va donner plus de points et qui va permettre aux gens de qualifier. Ah ouais. Et tout le monde, et pourquoi tout le monde là, tu peux voir dans le chat de la game que tout le monde dit go remake. Remake, oui, j'ai parce vu ça. Parce qu'il y a les questions en anglais. Parce qu'il y a des questions en anglais, du coup, ça va encore prendre plus de temps. Quel plaisir. Et du coup, ça va râler parce que je pense que le host a dû recréer la game vite. Et comme il n'y a pas de spec mode dans MicroWorks, eh bien, c'est au host de définir la partie. Mmh. Et comme ils ont dû se presser. Tu vois là, par exemple, attention au rayon. Hop là. Ah ouais, okay. C'est bon. Et si tu réussis, bah, tu as des points. Et donc là, par exemple, on voit que Wax, il est 11e. Ah, là, okay. On te dit, marche sur une tuile en surbrillance. C'est écrit en tout petit, mais il faut marcher dessus. Ah ouais, ok. Il a fait 500 points. C'est un peu un mix entre WarioWare et Fall Guy. Ouais, un peu. Mais il y a beaucoup de mini-jeux différents. La saute hors de la carte, par exemple. Hop, tu vois, il a sauté hors de la carte. C'est bon, c'est validé. Ah hop, ouais. 786 points, du coup. Et donc, tu vois, ça va très vite. Et ça s'enchaîne assez rapidement. Là, par exemple, faut pas se faire écraser. Hop, voilà, il y en a qui se sont fait écraser. Lui, non. Bravo. Et donc, tu vois, actuellement, à droite, il y a écrit qu'il a 11 000 points. Tu vois, là, il faut faire un mini Tetris avec des barques. Ah, il a pas réussi, malheureusement. Et alors, parfois, on te donne une consigne. Sauf qu'il y a écrit Jacques a dit ne pas. Et en fait, tu dois faire l'inverse de la consigne. Ah ouais. Tu vois là, par exemple, il y a écrit Jacques a dit ne pas. Donc ne pas recycler. Donc là, il faut pas qu'il recycle. Ou alors qu'il faut qu'il le mette dans une mauvaise poubelle. Oh la vache. Donc il y a des négations. Mais il y a combien de mini-jeux comme là, il faut taper le mot Louisiana le plus vite possible. Louisiana, ouais. Parce qu'évidemment, il faut pas juste faire la consigne, il faut aussi la faire vite. Ouais. Parce que tu as des points en fonction de la rapidité que tu as eu et à faire la consigne. C'est marrant parce que là, on a vu un tout petit bout de leaderboard. Et comme par hasard, le top 5, c'est ceux qui sont top 5 un peu partout. Quoi. C'est un jeu vraiment qu'il faut avoir train. Tu peux pas découvrir sur place, c'est impossible. Okay. Donc c'est un jeu vraiment très 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 hardcore. Là c'est le fameux boss. Donc il faut aller trouver la suite, enfin la sortie. Ça c'est des petits indices qui sont donnés. Donc tu vois il y a du strafe jump. Là il est en train de strafe jump Wax justement pour prendre plus de vitesse. Et donc ça c'est un petit indice qui vous donne des positions. Et le boss, là en l'occurrence c'est un labyrinthe, mais ça peut être un autre jeu.
Et en fonction de ceux qui arrivent le plus vite possible, ça va leur donner des points. Voilà, Guy a trouvé la sortie en premier, il y a écrit, tu vois. Et là, hop, eux, ils ont trouvé des points aussi. Ah ouais. Donc ça va leur rajouter des points sur le score qu'ils ont déjà. Et ça va être la fin de la game. Et, En tout cas, voilà. Un grand bisou à toutes les personnes qui souffrent de motion sickness, hein, bien sûr. Ouais, après ça va, hein, franchement. Ouais, ouais, bien sûr. Ça va parce que c'est des. On peut aussi jouer en first person, mais alors là c'est encore plus. Ah oui, du coup non. C'est vraiment difficile. Du coup non. Après il y a des jeux où c'est pas mal, parce que des fois t'as des mini-jeux qui sont des mini-FPS. Ah ouais. Donc tu peux justement zoomer et te mettre dans une position un peu plus à l'aise. Et voilà. Alors, je sais pas combien ils sont dans le lobby, je crois qu'ils sont. Diablo, bien 16. Est-ce qu'ils sont 16 dans le lobby? Ouais, ils sont 16. Chaussettes Sox qui s'en sort pas trop mal. Ouais, Guild, Diablo, BlazeX, Nagato, Wax. Je sais pas trop. Alors, j'avoue que je suis pas au fait à ce stade-là du format du repêchage. Je sais pas le top combien est éliminé, le top combien survit, etc. Donc voilà. Et j'ai plus de voix, dommage. RIP. RIP in peace. Adieu. Effectivement. Je bois. Allez. Alors que Wreckfest, pour la deuxième fois de la journée, qui va potentiellement commencer à un moment donné, chacun pour soi. Peut-être un peu moins de gros crash et d'accidents comme on a pu le voir tout à l'heure. Ça va être la trage, la science de la trage qui va primer. Quelle belle gourde, hein, dis-moi. Tout à fait, 90s represent. Cher dame dame. Yes. Nous avons des vidéos du confessionnal. Ah. Uniquement des vidéos pertinentes, bien sûr. Ah, donc, le cringe à l'état pur. C'est parti pour un peu de confessionnal, s'il vous plaît. J'ai toujours que mon premier jour de Zenlan. Donc, pour sauver le deuxième jour, j'ai pas eu le choix. J'ai dû sortir la stratégie secrète. J'ai mis la chemise déboutonnée. Buzz Skyheart depuis Jugendu. Merci Sky. Merci. Petit message à Antoine Daniel qui m'a traité d'anomalie congénitale, à Dame Dame Live qui m'a traité de fraude et à Crocodile qui m'a traité de clown de la Zilan. Je tiens à leur dire que j'ai réussi à passer top 32 winner et que je suis maintenant très blessé et meurtri par leur message. Je comprends. Oh. Ah, pauvre Shishayu. Oh, Bébou, il me fait de la peine. C'est vrai qu'hier, Shishayu a été éliminé d'une game PUBG en tirant sur un corps inanimé. Ah. Et donc, Antoine a prononcé ces mots. J'en veux pour preuve le clip d'hier. Donc, c'est vrai. Hein, c'est vrai que je l'ai dit. J'ai dit que c'était une fraude parce que lui-même a dit qu'il avait train. Tu avais repris ses mots. J'ai un peu repris ses mots, peut-être un peu amplifié. Il est vrai. mais c'est vrai que c'est la surprise. Bon, après, la surprise à la Zilan, ça tient les premiers matchs, ça tient les premiers jours. C'est ça. Au bout d'un moment, soit il y a le talent et c'est inné, soit bon bah peut-être pas en fait. En fait, top 32, tu peux encore être un arnaqueur, je pense. Oui, ah oui, non, mais clairement. Mais dès qu'on arrive au-delà du top 16, 24, là ça commence à être chaud. Mais tout à fait. Là, ça commence à être chaud. Et d'ailleurs, c'est Crocodile qui a fait la tier list potentielle de la Zilan. Tout à fait. À chaque fois, il mettait top 16 assuré ou top 16 fraude incluse. C'est ça, ouais. Un truc comme ça, il a. C'est ça. Il avait mis, je crois, dans ses catégories, il avait écrit top 8 obligatoire, top 8 possible. Et effectivement, doigt clutch, c'est ça. Doigt clutch pour top 8. Ouais, c'est ça. Un truc comme ça. Mais le top 8, là. Et le pire, c'est que j'étais assez d'accord avec les noms qu'il avait mis. Ouais, c'est vrai. Relativement. Je pense que ça a été fait de façon honnête. Il y avait les clowns aussi. Un petit peu comme la tier list bagarre de DFG. C'était assez honnête. Ah oui, tier list. C'est vrai que c'était assumé. Ouais, ouais. Assumé et réel, comme toutes les tier listes en même temps. Oh, bien sûr. J'ai envie de dire. Sinon, ce serait dommage. Alors, nous avons les petites annonces de la compétition Wreckfest que nous allons avoir par le superviseur. Petit message, on se retrouve après. Attention, il va y avoir de la casse. La prochaine épreuve va se jouer sur Wreckfest. Un jeu de course où terminer premier revient plus souvent à emboutir les adversaires qu'à traverser la ligne d'arrivée. Dans le match à venir, les compétiteurs vont s'affronter dans le mode Banger Race. Dans celui-ci, ils remportent des points pour chaque dégât occasionné au véhicule adverse. À la fin de la course, les joueurs voient leurs points multipliés en fonction de leur position, si tant est qu'ils aient réussi à passer la ligne d'arrivée. Il va donc falloir prendre un maximum de risques, et ce serait dommage de mettre hors service son propre véhicule en voulant détruire celui d'un adversaire. Vous allez comprendre pourquoi le port de la ceinture est obligatoire. Du coup, le superviseur dit n'importe quoi dans cette vidéo. C'est n'importe quoi, on est d'accord. Hein, ouais, tout d'accord, à fait. C'est une vidéo tournée il y a longtemps. c'est très bien préparé, cette Zilan. C'est une vidéo tournée il y a très longtemps. Bah, en fait, crois-moi que si elle n'était pas préparée, ce serait encore plus l'apocalypse. Hein. Mais, mais ça, c'est une vidéo tournée il y a très longtemps. Donc voilà. Ça me fait un peu mal ce que tu viens de dire. Mais, non, non, je vais faire comme si j'avais rien entendu. Okay, pardon. La prochaine fois, on préparera moins, on verra.
Non mais. Et ça sera pire. Non mais c'est vrai que c'est ce qu'on devait faire comme règle à la base. Et puis il y avait certaines données qu'on pouvait pas récupérer de Wreckfest. Et du coup on a dû s'adapter. C'est un peu le problème quand on crée des compétitions sur des jeux qui sont pas faits pour la compétition. C'est qu'en fait on voit le jeu, on fait quelques tests, on se dit ok on va faire ça. Et en fait au fur et à mesure qu'on teste, on réalise que c'est pas possible. Ouais, on change au fur et à mesure. Mais j'ai envie de dire comme toutes les Ilan chaque année. Et ça c'était une vidéo qui avait été tournée il y a longtemps. Et on n'a pas eu le temps de la refaire parce qu'on devait faire d'autres trucs. Eh bien c'est pas grave. Au moins elle rend très bien à l'écran. Oui voilà. Ah, elle existe. Palmarès, elle existe. Palmarès, existe. Voilà, elle existe. Donc, on va effectivement jouer en Banger Race. Ça, c'était vrai. On va jouer en dégâts intenses. Ça, c'était vrai. On va jouer sur trois maps. Ça, c'était vrai également. Mais ce qui n'est pas vrai, c'était le classement, puisque ça va être fait avec le cumul des positions des joueurs sur chaque course. Voilà, tout simplement. Un peu comme un trials. Ouais, de façon très classique, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Comme trials tout à l'heure, effectivement. Et on va bientôt pouvoir y aller avec les gens qui vont rejoindre les lobbies, etc. De toute façon, comme d'hab, hein, on vous prévient dès que ça démarre. Et voilà. Bah ouais, trop bien. Trop bien. Alors peut-être, on peut faire un petit point, bien sûr, real fact. Puisque, dis-moi. Puisque sache-le, les voitures, les automobiles, hein, bien sûr, tout véhicule présent dans Wreckfest est inspiré de vraies voitures qui existent vraiment, okay, ou ont existé. Et là, notamment les deux voitures qui, à mon avis, vont être le plus jouées dans ce qu'on va voir. Donc, bien sûr, Hammerhead, Hammerhead et Boomer, hein, je pense, principalement. Eh bien, la Boomer, figure-toi, est totalement inspirée de la Ford Escort MK1 de 1970. Ok. Voilà. Et j'ai noté, c'est une petite familiale trois portes. Ah, une petite familiale trois portes. Petite familiale trois portes. Et alors, il se trouve qu'il y a une scène particulièrement délurée dans Fast and Furious 6, avec exactement la Boomer. Ah, d'accord. Cette voiture-là. Et il faut savoir que c'est une voiture considérée comme de collection, c'est-à-dire que les modèles de 70 se négocient en bon état entre 100 et 150 000 euros. Quand même. Ah ouais ? Mais c'est une toute petite voiture en fait, hein. C'est vraiment une petite trois portes. 150 000 euros ? Ah ouais, si c'est bien. Bah, en fait, il y a. Tu ne peux vraiment, pas aller faire du stock car avec quoi ? Bah, c'est tout là le truc. À mon avis, justement, les voitures de stock car. En fait, les voitures américaines, surtout les anciennes, sont réputées pour avoir une tenue de route un peu approximative. Ouais. Mais elles étaient réputées pour être très résistantes. Et je pense que c'est pas un hasard si finalement ils se servent dans les casses américaines pour faire les voitures de stock car justement. Mais alors, on est d'accord que plus une voiture est résistante, moins c'est bien pour le côté si t'es dedans quand il y a un accident. C'est ça la théorie. Ouais. Parce que c'est toi qui prends le choc. Ah bah oui. Oui, c'est ça. Donc une voiture résistante, c'est pas une qualité en vrai. Alors, bah, qui résiste au coup, je veux dire. Ça dépend dans la vraie vie ou dans le jeu. Pas résistance mécanique. Ah oui, dans le jeu, c'est un super atout, évidemment. Et d'ailleurs, la Hammerhead, donc la deuxième, moi que j'appelle la tête de marteau, que j'appelle le break Volvo. Alors donc c'est donc une Volvo 240 de 1981. C'est de ce modèle en particulier qui a inspiré la Hammerhead. Et donc à l'époque, c'est une voiture qui avait cartonné. Parce que c'était la voiture qui était classée numéro 1 dans les crashs, dans les tests de sécurité. Ah ouais, donc avec les mannequins. C'était là. La voiture familiale la plus safe qui existait. Et c'est pour ça les mannequins avec les têtes, avec les croix là. Exactement. C'est pour ça que les breaks Volvo ont cartonné. Pas mal. Et la version 87 de ce même break sera la première voiture à avoir des airbags 11 ans avant l'obligation que toutes les voitures en aient. Ils ont été un peu précurseurs là-dessus. Et la voiture Hammerhead dans le jeu, rappelle un petit peu ça, quoi. Ok. Voilà, c'était le petit real fact. Voilà. Eh ben merci pour mon autre culture. Non, l'équipe, j'ai rien dépensé parce qu'en fait, il y a 40 minutes de pause. La régie nous a coupé la parole en nous affichant le repêchage. Ah, et ben très bien. Mais en fait, c'est les joueurs qui sont encore en vie. Ok. Voilà. Les joueurs qui sont encore en vie, sachant que là, on parle des joueurs encore en vie dans le repêchage, mais il y a aussi tous ceux qui sont pas dans le repêchage. J'ai peur. Tournoi principal. J'avoue, j'ai peur. Okay. Donc en gros là, il y a des pseudos que vous voyez pas dans la Zilane. Je suis pas serein. Tous les néons allumés que vous verrez plus tard. Voilà. Il y a pas grand monde. Sunday, Chichay, Youshones, Dr. Feelgood, etc. Y a pas, là par exemple, s'il y a un StarCraft principal, là c'est les gens. Non, il y a pas StarCraft. Ah, trop bien. Voilà. Trop bien. Et j'ai hâte. J'ai hâte de voir tout le monde se. Là va y avoir micro. Moi je pense que c'est micro pour StarCraft là. Concasser la tôle. On va se concasser la tôle ensemble. T'as pris le temps de manger un peu, non? Oui, c'est Wreckfest, mais pour le loser. Tout à fait. Slope sûrement non. Moi je pense qu'il va y avoir 2 lobbies MicroWorks, 4 lobbies StarCraft. Et fait fort. Je ne sais pas si on peut se wreck le fest. Des égalités. Je pense que c'est ça. Devant 100 000 personnes. On peut se wreck le fest. On peut se concasser de la tôle. Allez. Effectivement. Mais. Ok. Et. Mais t'es pas en loser, hein, Kenz. Oui, je sais.
Sauf que là, en gros, okay, bah ça, si je suis 14ème, si je perds pas, je suis out et il n'y a plus de loser bracket. C'est terminé. Oh. La LAN est terminée. Ils auront peut-être dû. Mais c'est le moment que j'attends avec impatience. Ah, ce sera seulement s'il y a des égalités, évidemment. Ah. Il faudra trouver un. Donc, c'est déjà prévu, voilà. Bien sûr. Là, il n'y a plus de loser bracket, là, c'est fini. Quelqu'un va nous trouver un cadre. Il y a un trophée à 5000 balles là-bas. Ah non, pitié. Ah non, pitié, pitié. Déjà, dans le transport, il a pris une égalité. Je perds pas, c'est out. J'imagine trop le bijoutier qui. Après, c'est reset parce que du coup, le loser bracket rejoint le winner, donc ce sera un classement de 32 joueurs, il faut être dans le top 16 quoi. Oh non, non, pitié, juste pitié. Le respect avant tout, bien sûr. Le respect avant tout. Moi je pense, je vais piffer que ce sera micro wars, je vais faire que du micro wars. Qui est juste là par exemple. Non mais on prendra un petit poteau. Je vais all-in micro wars. Micro wars c'est le jeu sur lequel il faut que je me sauve. Avec reset des points, ouais, il y a reset des points. Il y a reset de tout, en gros là je pense qu'il va y avoir un reset de tout, et il faut que je joue à micro wars. Il faut juste que je joue à micro wars. De quoi ? Pourquoi ? Ouais. Toi, t'es pas mauvais avec Fest, hein ? En fait, pour moi, pourquoi je pense que il y aura Microbox, parce que pour moi, c'est un lobby à 16 et il y aura deux lobbies de Microbox à 16 pour le top à 32 joueurs avec le loser, les 16 du loser et les 16 du winner, ce qui va donner un top. Les points des deux lobbies comptent, donc en gros celui qui fait le plus de points, tout lobby confondu, il est devant. C'est de la luck, mais c'est comme ça. En plus, c'est la Zilan, donc c'est pas impossible. Et après, il y aura 4 lobbies Starcraft et du coup, c'est le top en points également. En gros. Ça va bien? Pour demain? Pour après-demain? C'est pourquoi? Pour le truc après-demain? Ouais? Ouais, bien sûr, je vais regarder la con. C'est de rendre 32 plus 16 maintenant. Bah moi je crois que c'est je sais pas. Starcraft, j'ai pas besoin de focus Starcraft, moi je suis bien. Il y aura plus de chances qu'il y ait des gens pas insane, même s'ils seront beaucoup. Ouais, putain, mais ça veut dire que du coup, Starcraft, il peut y avoir du hardest, peut y avoir. Chaud. Bon, l'objectif c'est de pas rater un mini-jeu. J'ai raté le premier mini-jeu, merde.
Osef d'être lent là-dessus. Ouais, c'est du train là, c'est pas un vrai lobby. Ouais, ça a bugué là. Non, je voulais quitter, mais ça a lag. FF. MDR, t'as bugué. Bah, en fait, t'es obligé de regarder si le jeu te dit de ne pas le faire ou de le faire. Quoi? Ah, oh, dommage, le pixel. Non, what? Ils vont tellement vite. Ah ouais. Putain, à 20, faut faire gaffe, Ori, en tournant. Faut pas, putain. Bah, je l'ai fait. Vas-y, toi. Bah, d'accord. Aïe 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 aïe. Non mais là c'est horrible là, le loser. Quoi? Oh, ça l'a pas poussé.
J'en refais une autre. Allez soutenir Ryu dans son chat les gars en attendant. Allez soutenir Ryu pendant qu'il fait sa game de Rayquest. Parle pas trop fort pour pas le déranger. Il est très focus. Ouais, je me chauffe. C'est quoi? Je sais pas, je m'y mets quand même, on sait jamais un peu. C'est ce que les gens disent, mais... on sait jamais, je préfère être chaud. Tu vois? Hein? Ouais. Merde. Ouais, 16, ouais. On est 32, ça fait 48. Ouais, je sais, ouais. Voilà, merde, je vais regarder. Ah, tu penses qu'il y aura ce flash. Ça laisse un A7, tu vois. Toi, t'es en mode céleste au flash en StarCraft? Oui, j'ai StarCraft. Céleste, y a des gens chauds quoi, encore. Non. Hein.
Tirer trois fois là. Mais je l'ai fait encore là. Bon, c'est pas grave. Bon, là de toute façon, je pourrais pas gagner. Je sais pas s'il y a cette finale normalement dans la Zélène, je crois qu'elle y est pas. Ah, c'est Fabenzen pour ton 73e mois. Les gouttes. Je vais me chauffer sur Céleste. Ok, j'ai le TF4 Microworks, normalement il devrait se quitter, il veut pas se quitter. On va aller sur Céleste, on va se chauffer un peu. Au cas où il y a Céleste, effectivement Céleste il y a un monde. Céleste, je pense que je vais faire. Je vais pas faire le chapitre 1. Si, il faut que je le fasse en vrai. Oh, tu sais quoi, je vais tout faire, allez hop. En attendant qu'il finisse. On va voir si j'ai bien fait de me chauffer sur un micro. Playlist des gènes par Tieps. Ok. Bien fait de me chauffer, hein. Ok.
un peu de Starcraft. Je sais pas si je lance une game pour me faire mon VO ou si tu vas briller s'il y a Céleste. Céleste ça va être ok, ouais, mais il y a des gens très forts. Hein. Je serai largement pas top 1, hein, c'est sûr. Hein. Vas-y le sang, t'es le meilleur mon gars. Bizarre un peu ça, mais bon. N'importe quoi là. C'est assez mauvais. C'est assez mauvais. Allez, faut que je me fasse un beau resort. Au limite, même si je fais un horrible resort, vaut mieux que je le fasse maintenant plutôt que tout à l'heure. Voilà. Je vais me faire un resort, tout simplement, et puis on va voir. Ok, pour l'instant ça se passe hein. Je crois que les gars que Momo va sortir du loser là. Let's go! Yes! Allez! Ok, bon, j'ai un peu save la merde que j'ai fait. Excellent. Let's go.
Mais en fait là les gars, le top je crois que ça sert plus à rien parce que je crois que c'est reset après. En gros après là on est tous à égalité et ça recommence un nouveau reset, un nouveau bracket parce qu'il y a le loser qui nous rejoint. Donc en fait je suis plus top 14 du tout. Donc en fait c'est même plutôt une bonne nouvelle. Il y a un reset du bracket, ce qui veut dire que là toutes les cartes sont redistribuées. Le checkpoint en bonhomme. Oula, ça va baiser tous mes timings ça. Mais j'arrête. Alors Rayou, t'es out? Oh non mon frère. Ça pète les couilles. Rayou est out l'équipe. Ah ouais? Ah ouais, Acryl out. Ouais, c'est trop de la dinguerie. Nico il est in? Nico. Je sais pas hein, tu sais c'est breakfast mec hein. Ah ouais mais Rayou il est bon hein. Notre rôle Rayou il est bon hein. Juste il a pas all-in là au boomer quoi, il a joué safe. Nico in on me dit dans mon chat. 1-2-2 Nico, large. Ok putain. Je sais pas. Valier out apparemment. Apparemment on me dit ça dans mon chat. Il y a des infos de chat. Hardest out et Valier out. Je vais aller faire un câlin à Hardest. Je reviens l'équipe. Je vais aller faire un câlin à Hardest.